Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être mettre un petit peu de son. Il m'entend pas. Eric? Marche pas. Eric, montez le son, s'il vous plaît. Bien, bonsoir, m'entendez mieux là? Je vais parler derrière le masque, j'espère que, bon, si vous me voyez tomber de ma chaise, vous soyez pas surpris. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, le contrôle du quorum me permet d'ouvrir donc la séance. En premier lieu, je vais désigner le secrétaire de séance pour qu'il vienne me rejoindre sur l'estrade. Et donc, on va prendre, je pense, la liste alphabétique. Donc, qui est le premier de la liste alphabétique? Ah ben, Monsieur Almalak, qui vient juste de s'installer, c'est impeccable. Il peut ramasser ses affaires et venir me rejoindre. Voilà, ce fut bref, mais... Bien, Monsieur le secrétaire, je vais vous donner la lecture des pouvoirs que nous avons reçus... ce soir, donc j'ai le pouvoir de Monsieur Brunel pour Monsieur Doutre-Mepuich, le pouvoir de Dominique Poudevigne pour Laurent Senet, le pouvoir de Geneviève Castagnier pour Jean-Baptiste Panchaud, qui est bien présent, tout le monde, Jean-Baptiste. Le pouvoir de Maurice Regeff pour Laurence Christol, qui est là. Le pouvoir de Christine Houdon pour Jérôme Lopez, qui est là. Le pouvoir de Gérard Fabre pour Philippe Tourier, qui est là-bas. Le pouvoir de Jean-Claude Armand pour Yves Gruvel, que j'ai pas vu. Il n'est pas là, Yves. C'est son suppléant, en fait. Il n'est pas arrivé, peut-être. Donc, ce pouvoir ne fonctionne pas. Tout d'abord, un petit mot rapide d'accueil. Vous informer tout simplement que notre séance est filmée. J'espère aussi que pour la première fois, c'est votre première séance, je dirais, de travail, vous avez pu récupérer sans trop de problèmes l'ensemble des documents de la séance de ce soir, l'ordre du jour et tous les documents qui sont associés. J'espère que vous n'avez pas eu de difficultés particulières avec l'utilisation de vos tablettes. Si toutefois ça a été le cas, n'hésitez pas à revenir vers les services pour vous faciliter les choses pour la prochaine fois. Comme vous l'avez vu, l'ordre du jour est copieux, avec tout d'abord un premier point qui sera institution et vie politique, notamment avec un nombre de points importants sur les inscriptions auprès des organismes extérieurs. Donc, je ne vais pas vous le reprendre là, puisqu'on va le passer un par un, mais il y a un point supplémentaire donc, à ajouter donc, dans cette première rubrique qui concerne les représentants de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup au sein du syndicat mixte filière viande Hérault, qui n'est pas dans votre ordre du jour et que je vous demande d'accepter pour que ce point soit ajouté à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Des abstentions? Donc c'est voté, nous l'ajoutons. Nous avons également ce soir une procédure en moyen interne, 7 points à vous soumettre donc, à l'ordre du jour, que je vous détaillerai ensuite. Nous avons un point finance. Avec 4 points, avec notamment les votes des budgets. Un point ressources humaines avec quelques modifications, notamment au tableau des effectifs, et puis vous le verrez, quelques points particuliers ressources humaines que je vous présenterai. Environnement avec 2 points, notamment sur les déchetteries. Développement économique avec 3 points, et notamment des aides au territoire en matière de développement économique, notamment des aides leaders. Aménagement du territoire, avec des avis sur un plan local d'urbanisme et un point sur une grille tarifaire concernant la piscine. Un petit point de culture et patrimoine sur des tarifs.
Sport et activités de pleine nature avec trois points sur des sujets en lien avec les subventions. Gestion et préservation de la ressource en eau, quatre points, dont le dernier sera un point sur la GEMAPI avec des évolutions depuis l'envoi de votre note de synthèse. Donc ne soyez pas surpris, je vous en expliquerai, j'aurai les explications tout à l'heure. Mais votre note de synthèse ne sera pas conforme à ce qui va vous être demandé. Et puis enfin, on terminera, s'il nous reste encore un peu de souffle, par quelques questions d'actualité, si toutefois il y en a. Je vais commencer par l'institution vie politique avec le premier point qui concerne des évolutions de notre office du tourisme de ces dernières années qui nécessitent aujourd'hui de toiletter les statuts de l'EPIC, établissement public, donc industriel et commercial, donc qui nécessite aujourd'hui de faire quelques modifications, notamment sur le siège social qui se trouve désormais à Pic Natura, donc sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, et aussi de la modification du comité de direction avec une modification du nombre de représentants au sein donc de l'EPCI et du nombre de socioprofessionnels. Vous le verrez, c'est un point qui est prévu aussi à l'ordre du jour tout à l'heure avec des propositions pour la constitution de ce comité de direction. Il est question également de supprimer le poste, l'animation du centre de vacances de Castanet, qui était un ancien centre de vacances, propriété de la communauté de communes, qui a fait l'objet d'une cession il y a en 2019, me semble-t-il. Hein, elle a abouti en 2019. Donc, vous avez reçu les statuts dans vos documents joints à la note de synthèse. Avez-vous des questions particulières en lien avec ces statuts? Sachant que la majorité des modifications sont dans les explications que je viens de vous transmettre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets au vote ce premier point. Est-ce qu'il y a des votes contre cette modification des statuts? Des abstentions? Ah, au boîtier, pardon, au boîtier, excusez-moi, au boîtier, au boîtier, excusez-moi, au boîtier. Je vais lancer, excusez-moi, je lance le vote. J'étais reparti à l'ancienne. Alors, un c'est pour, c'est ça. Hein, voilà. Et après, il faut faire OK ou. On fait juste un. Et un, voilà. Alors, voilà. Très bien. On va finir par s'y faire complètement. Merci pour ce premier vote. Je passe au point suivant, qui est la création des commissions thématiques de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Alors, ces commissions, pour ceux qui ne le savent pas encore, ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels. Elles sont surtout chargées de préparer les décisions à la fois du bureau et du conseil communautaire. Elles sont surtout chargées de débattre, je dirais, sur les actions qui sont à mener et les projets à mettre en œuvre et de formuler des propositions d'action. Donc, elles sont composées de conseillers communautaires, bien sûr. Elles peuvent être aussi composées de conseillers municipaux, bien évidemment aussi des techniciens référents qui animent la commission avec leur vice-président, bien sûr, respectif. Et puis, il n'est pas exclu de pouvoir y associer des organismes associés, partenaires, qui peuvent venir enrichir, on va dire, le travail de la commission de travail. Alors, pour ce soir, ces commissions, je propose d'en installer sept dans un premier temps. Je vous propose d'installer jeunesse, sport, activités de pleine nature, développement économique de l'attractivité du territoire, de l'emploi et de la formation, l'aménagement de l'espace et du territoire, l'eau et l'assainissement, enfance et action sociale, agriculture et la préservation des ressources naturelles et de l'environnement, et culture et patrimoine. Voilà les sept commissions qui sont installées dès que vous aurez accepté et délibéré. Les autres seront installées ultérieurement, donc vous l'avez compris le calcul, il en reste sept, qui seront installées un peu plus tard, car nous devons réfléchir à leur structuration. S'interroger aussi si ce sont des commissions territorialisées ou pas, internes au conseil communautaire ou élargies,
Donc nous devrons donc statuer là-dessus. Donc c'est le pacte de gouvernance qui va être chargé de ce travail, de pouvoir identifier comment nous allons faire fonctionner ces 7 autres commissions avant de vous les soumettre à votre délibération dans un prochain conseil communautaire. Les 7, c'est le tourisme et la promotion du territoire avec l'EPIC, c'est les bourgs-centres, c'est les ressources humaines, l'animation de la gouvernance et la démocratie participative, les finances, la mutualisation et le service aux communes et les travaux. Voilà, donc c'est pour celle-ci. On reviendra donc vers vous certainement à la rentrée du mois de septembre. Donc je vous propose et je mets donc à votre vote l'installation des 7 premières commissions dont je vous ai donné l'intitulé. Est-ce que ça suscite ? Oui, bien sûr. Alors, jeunesse, sport et activités de pleine nature, développement économique de l'attractivité du territoire, de l'emploi et de la formation, aménagement de l'espace et du territoire, eau et assainissement, je ne vais pas trop vite, enfance et action sociale, agriculture et préservation des ressources naturelles et de l'environnement, et culture et patrimoine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition ? Bien, je le mets à votre vote donc, pour installer donc, ces 7 commissions immédiatement après le vote. Donc à vos boîtiers, le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Donc, à la majorité, donc, sur cette délibération, je vous remercie. Alors, désignation des délégués élus communautaires pour la représentation donc, de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup dans différentes instances, sachant qu'elles ne sont pas encore toutes là dans ce que je vais vous présenter. Il y en a encore quelques-unes qui vous seront présentées dans un conseil communautaire prochain. Il faut savoir que les élus communautaires donc, ont pour en effet mission aussi de se répartir dans les organismes extérieurs. Ce soir, il y a 27 organismes donc, qui vont vous être proposés et quelques autres, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus tard. Ça nécessite en tout 100 élus donc, qui seront investis dans les différents organismes avec des pouvoirs, que ce soit en titulaire ou que ce soit en suppléant. La liste est longue, vous l'avez compris, l'exercice n'est pas facile, je dirais même un peu complexe parfois, et c'est pourtant très important d'être bien représenté dans ces différents organismes extérieurs. Il en va parfois de notre propre fonctionnement, donc il faut être bien présent, je dirais, dans ces différents organismes. J'ai proposé la semaine dernière au bureau des maires une maquette donc, pour pouvoir, je dirais, faciliter ce travail. Et nous avons donc ensemble procédé à quelques ajustements. Il est encore possible aujourd'hui, bien évidemment, d'y apporter des corrections, si vous le souhaitez. Je rappellerai que les délais sont contraints et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'avoir cet exercice en tout début, pratiquement le premier conseil communautaire. Je m'en excuse auprès de vous, mais il en est ainsi. L'opérationnalité de l'ensemble de ces organismes sont déjà sur les starting blocks. On a déjà eu hier une assemblée générale, notamment d'Héro Ingénierie, et ça va s'enchaîner, il y en aura d'autres. Donc il faut qu'on soit prêt pour pouvoir communiquer l'ensemble des élus du territoire qui seront donc inscrits dans ces différentes instances. Donc je commence par la première, c'est la désignation du délégué élu au Comité national d'action sociale, le CNAS, pour le personnel des collectivités territoriales. Il s'agit tout simplement d'un délégué local qui est désigné parmi les élus de la collectivité pour le compte de laquelle l'association ou le comité gère les œuvres sociales du personnel de droit privé. Donc il appartient de désigner en règle générale le vice-président
qui est en charge des ressources humaines donc à cette tâche. Donc les absents, comme vous le savez, ont toujours tort. Donc je propose la candidature de Gérard Brunel, qui est aujourd'hui excusé et qui aujourd'hui a donné procuration pour donc nous représenter auprès donc du CNAS. Ça suscite des questions ? Pas de questions. Donc je mets au vote cette première proposition. Le vote est ouvert. Bien, le résultat du vote, majorité absolue. Donc je vous remercie pour cette première proposition. Le point suivant, c'est la désignation du représentant de la communauté de communes au sein des différentes instances de la société publique locale territoire 34. Donc, en effet, nous disposons donc pour territoire 34 d'un poste d'administrateur sur les 18 que comporte le conseil d'administration. Vous rappelez juste peut-être que l'activité de territoire 34 porte sur la conduite d'études et de projets d'aménagement, notamment auprès des collèges, des halles de sport et, je dirais, de structures ou de superstructures, également vers de l'aménagement urbain, des parcs d'activités. Enfin, le champ des actions sont assez larges. L'actionnariat de territoire 34 donc, est détenu par le département de l'Hérault et 14 intercommunalités et des communes du département dans lesquelles nous sommes inscrits. Voilà. Donc, il convient de désigner le représentant de la communauté de communes donc, au sein de ces instances. Et je propose donc ma propre candidature sur ce poste et je sollicite, s'il y a d'autres volontaires, ils peuvent aussi se désigner. Ça, c'est valable aussi pour chacune des propositions qui seront faites. N'hésitez pas, si vous souhaitez être candidat sur les propositions que je fais, n'hésitez pas à le faire. Je l'ai oublié dans les deux premiers points. Donc, je propose ma candidature donc, pour siéger au sein donc, de Territoire 34. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc, je mets au vote. À vous, votre. Je vous remercie. Ça va marcher. On est de plus en plus rapide. Majorité absolue, je vous remercie de votre confiance. Maintenant, je vais vous proposer la désignation des représentants de la communauté de communes à l'Assemblée des territoires de la région Occitanie. Cette assemblée a été créée par Carole Delga, présidente de la région, en 2016. C'est une assemblée qui est composée de 158 membres élus, ne siégeant pas au conseil régional. Donc ce sont tous, sauf des conseillers régionaux qui sont dans cette assemblée. Ces élus sont désignés donc, par les territoires de projet dont nous faisons partie. Trois missions donc, sont confiées à cette structure, notamment des missions de concertation, également des missions de capitalisation et de transfert. C'est tout simplement des échanges d'expériences, d'enrichissement des pratiques, et puis de l'expérimentation et de l'innovation. La communauté de communes donc, est représentée à cette assemblée par un titulaire et un suppléant, avec le respect de la parité femmes-hommes, ou hommes. Donc, je vous propose, pour représenter notre collectivité au sein de cette Assemblée des territoires, qui, bien évidemment, par définition, vous l'avez compris, elle se passe sur le territoire régional. Donc, les régions, les réunions se font bien évidemment une fois à Albi, une fois à Toulouse, une fois à Carcassonne, une fois à Montpellier, une fois... Enfin, voilà, un petit peu d'itinérance. Donc, je propose ma candidature et la candidature de Michel Lernoux, en tant que déléguée donc, suppléante, et je sollicite s'il y a d'autres candidatures pour assister donc, à cette assemblée des territoires de la région. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation que je vous ai faite ? Pas de questions, donc à vos boîtiers, je vous propose de voter. Le vote est ouvert.
Parfait, majorité absolue, je vous remercie. Désignation du représentant de la communauté de communes au sein de l'instance Association Initiative Montpellier Pic Saint-Loup. Initiative Montpellier Pic Saint-Loup est une association, loi 1901, créée en 2003. Elle intervient sur l'ensemble du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole et sur notre territoire communautaire. Membre d'Initiative France, c'est le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement de la création d'entreprises en France. On a signé avec cette structure une convention il y a de cela maintenant 4 ans de mémoire. La communauté de communes donc est donc adhérente depuis 2010, ouais, c'est plus, ça fait plus longtemps que ça, hein, mais on a signé une convention récemment. Voilà, donc on était. Voilà. Il convient donc de désigner le représentant de la communauté de communes en sa qualité de vice-président en charge de l'économie du développement économique. Je propose la candidature d'Antoine Martinez et je sollicite auprès de vous s'il y a un autre candidat sur cette proposition. Avez-vous déjà des questions? Y a-t-il un autre candidat? Donc je vous propose de passer au vote pour désigner donc Antoine Martinez. Patricia, ça n'a pas marché. René non plus. Voilà. Très bien. Majorité absolue. Merci pour M. Martinez qui n'avait rien à faire, donc il est très content. Cache ta joie. Désignation donc pour les membres du conseil d'exploitation de la régie intercommunale d'eau potable et d'assainissement du Grand Pic Saint-Loup. Alors là, il convient de nommer 3 membres qui sont prévus dans les statuts composant le conseil d'exploitation de la régie intercommunale donc pour l'eau potable et l'assainissement du Grand Pic Saint-Loup. Il y a 2 membres du conseil communautaire et 1 personne qualifiée non membre du conseil communautaire. Je propose pour cette représenter les 2 membres donc, de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Je propose Jean-Claude Armand, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement. Je propose Jacques Gros, qui est le président du syndicat mixte Garrigues Campagne depuis plusieurs années et qui connaît très bien le sujet sur l'eau. Et aussi d'ailleurs l'assainissement, comme donc membre du conseil communautaire. Et je propose pour la personne qualifiée, Christian Amat, qui est l'ex-président du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement, que vous avez pour les uns et les autres connu dans ses missions de président du syndicat pendant quelques années, avant que le syndicat ne soit fermé et que la compétence soit reprise par notre intercommunalité. Voilà les 3 personnes que je propose. Y a-t-il d'autres candidatures pour les élus communautaires? Non. Est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires? N'hésitez pas. Non. Donc, je vous propose de prendre les boîtiers et de voter. Voté la majorité, je vous remercie. Maintenant, il s'agit de désigner les élus représentant notre comité de communes au sein du conseil syndical de l'établissement public territorial du bassin fleuve Hérault, EPTB, et de la commission locale de l'eau, de la CLE, comme elle est plus souvent désignée, du SAGE, du fleuve Hérault. Alors, l'EPTB Fleuve Hérault est chargé de faciliter à l'échelle du bassin versant du Fleuve Hérault, notamment la prévention des inondations et aussi la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,
ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Il contribue aussi à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, il y a des actions, vous les avez sur votre note de synthèse, concernant aussi, qui sont hors GEMAPI, mais il y a aussi des compétences qui sont tout à fait possibles d'exercer en termes de GEMAPI. Vous les avez aussi dans votre note. C'est dans ce cadre d'ailleurs que la communauté de communes a conventionné pour coopérer en vue de traiter les espaces végétales invasives sur le fleuve Hérault. On a signé une convention très récemment, en 2020, pour une durée d'environ 2 ans. Et pour déléguer l'exercice de l'item 2 de la GEMAPI, qui concerne l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau qui a été signé en 2019 pour une durée de 4 ans. Le PTB, c'est une grosse machinerie avec bon nombre de représentants pour la gouvernance. Le département de l'Hérault a 10 titulaires, 10 suppléants. Le département du Gard, 3 titulaires, 3 suppléants. Le syndicat mixte Ganges-le-Vigan, 2 et 2. Il y a la comité d'agglomération Hérault-Méditerranée avec 5 et 5, de Béziers-Méditerranée 1 et 1, les Avant-Monts 1 et 1, le Grand Pic-Saint-Loup 1 et 1, Clermontais 2 et 2, Vallée de l'Hérault 2 et 2 et l'Audévoir-Larzac 2 et 2. Donc ça fait un truc avec 29 titulaires et 29 suppléants. Il s'agit de désigner pour nous donc un titulaire et un supplément. Et je propose donc à votre vote de désigner Philippe Doutremepuiche, qui était déjà... à la manœuvre, et Jean-Claude Armand en tant que vice-président charge de l'eau et de l'assainissement. Voilà les propositions que je fais. Y a-t-il d'autres candidatures? Avez-vous besoin d'explications complémentaires? Ça peut être long, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en priver. Donc, je vous propose de passer au vote. Majorité absolue. Je vous remercie. Ensuite, il s'agit donc de désigner pour la clé, qui est la commission locale de l'eau. Vous verrez que tout ça, pour aujourd'hui, c'est certainement pour certains d'entre vous, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que tous ces organismes et à quoi ils servent. Donc, je pense que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez, je dirais, vous approprier chacun, mais vous le verrez petit à petit, ça sera plus clair pour vous. Il faut laisser le temps au temps. Alors, pour vous donner quelques explications sur la clé, donc le sage du fleuve Hérault, donc, qui a été approuvé le 8 novembre 2011, est chargé de fixer les objectifs et les règles pour une gestion globale, équilibrée et durable de l'eau. Et donc, c'est sur, bien évidemment, le périmètre cohérent du bassin versant. C'est une feuille de route, en fait, pour la mise en œuvre d'une politique locale de l'eau qui doit être cohérente en matière de gestion d'eau et également concernant les milieux aquatiques. Alors, il y a 49 membres dans cette clé qui sont répartis en fait de 3 collèges, notamment des élus, mais aussi des usagers, et puis l'État et ses établissements publics. Donc, il convient à la communauté de communes de désigner donc un délégué. Et je m'en excuse auprès du Conseil des maires Vallon-Bureau de la semaine dernière, où j'avais annoncé 4 membres pour cette truc, alors qu'en fait, il y a un membre délégué seulement. Et je propose bien évidemment de désigner Jean-Claude Armand en tant que représentant de notre collectivité sur la compétence. Ouais, c'est un seul, sur la clé. Ah, c'est toi, oui. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé. C'est Philippe. Oui. Excuse-moi, Philippe, je me suis trompé. Donc, je m'excuse. C'est bien Philippe Doutremepuiche, pas Jean-Claude Armand qui est seul, puisque c'est lui qui est déjà actuellement à la clé. Voilà, j'ai fait une erreur de report. Décidément, celui-ci, je me suis trompé depuis le début. J'en avais prévu 4. Donc, un volontaire désigné d'office, donc Philippe Doutremepuiche. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, donc je vous propose de voter. Oui. Je suis embrouillé.
Voilà le résultat. Donc c'est voté la majorité. Je vous remercie. Alors ensuite, c'est les représentants au syndicat mixte établissement public de bassin, le PTB du Vidourle et du comité de rivière du Vidourle. Donc on change de territoire et cette fois-ci sur le Vidourle. Il y a beaucoup d'eau qui coule hein, sur notre territoire et forcément on est très impliqué dans ces syndicats mixtes. Ah oui. Non, on n'a pas voté pour le Vidourle. On va refaire le vote. On va refaire le vote parce que ça a été décalé. C'est-à-dire qu'on a voté pour la. En fait, il y avait deux points. On va reprendre. Le micro est pas. Le micro. Donc, en fait, on va refaire parce qu'en fait, il y avait deux points dans un point. Donc c'est pour ça que en fait il fallait faire deux votes sur une même affaire puisqu'il y avait à la fois le PTB et à la fois la clé. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la même personne qui a été proposée parce qu'il faut qu'au sein de le PTB en gros, en fait derrière il y ait la clé qui est une certaine logique hein, pour que les personnes qui sont à la clé puissent comprendre ce qui a été décidé. Et en plus là sur ce dossier particulier, on avait déjà eu une proposition. En interne de l'EPTB pour identifier un président de la clé. Donc, en plus, c'est encore plus compliqué. Mais désolé, c'est un peu complexe. Donc, on vous demande de reprocéder au vote. Alors, je refais voter pour qui là? Pour la clé, c'est ça? Hein? Alors, je refais voter pour la clé pour Monsieur Doutremepuis. Tu auras la chance d'avoir reçu deux. Non, non. Pas pour le Vidourle, là. La clé du Flavéro. Donc, on vote pour la clé du Flavéro en la personne de Monsieur Doutremepuis. Donc, à vos boîtiers. Hop, hop. Oui, j'ai bien de le préciser. Monsieur Philippe Doutremepuis vous dit que c'est une clé qu'il préside déjà, donc il la connaît bien. C'est rassurant pour nous. Alors là, donc là, on a 55 voix pour, 3 contre et une abstention. Donc maintenant, on va vraiment passer à l'EPTB Vidourle. Alors le PTB Vidourle, bon, ils ont tous un peu la même, je dirais, les mêmes objectifs, hein, globalement, à part qu'on charge, on change tout simplement de bassin versant, mais les objectifs des EPTB sont tous plus ou moins les mêmes. Oui, c'est pour Monsieur Armand, oui, pardon. Alors, il y a Monsieur Martinez aussi, comme il y a Monsieur Martinez et Monsieur Armand. Il y a deux titulaires et deux suppléants. Et les deux suppléants, c'est Jean-Michel Pécoule et Geneviève Castagnier. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour représenter la collectivité? Non. Donc, je mets à votre vote. Le vote est ouvert. Oh, mais ça va trop vite là. Moi, j'ai pas. Voilà. Je vous sens impatient. Donc, c'est voté. J'essaie de pas perdre le fil. Alors, est-ce que je suis bien au point qui concerne le syndicat mixte Garrigues Campagne? Oui, je vais vérifier sur le. Il y a un comité de rivière avant. Le comité de rivière? Ah oui, le comité de rivière, pardon, le comité de rivière, oui, en effet, je l'ai. Ah.
Ouais. En fait, disons, il y a deux points dans un, c'est pour ça que ça trouble l'ordre. Voilà, on est désolé, en fait, comme il y a deux points de vote dans un même point, on est obligé de relancer deux fois le vote sur un même point. Et comme le logiciel n'avait pas été configuré pour, on va relancer le vote avec le même intitulé. On vous remercie pour votre compréhension. Donc là, maintenant, on va voter, Monsieur Barthes va vous l'expliquer, sur le comité de rivière du Vidourle. Voilà, tout à fait, donc qui sont chargés de piloter l'élaboration du contrat de rivière du bassin versant du Vidourle. Ils le suivent, ils l'animent. C'est voilà le rôle, je dirais, de ce comité de rivière. Il y a 55 membres dans ce comité de rivière qui sont répartis en trois collèges, collectivités territoriales, usagers, État et ses établissements publics. Donc là, il s'agit de désigner un délégué donc, pour ce comité de rivière du Vidourle. Et je propose la candidature de Jean-Claude Armand. Et je sollicite s'il y a d'autres candidatures. Non, je vous propose de voter. Anthony. Merci. Donc c'est voté, je vous remercie. Donc je viens donc au syndicat mixte Garrigue Campagne, connu sous le nom de SMGC. Donc il convient là de procéder à l'élection des élus représentant au sein du syndicat mixte de Garrigue Campagne, donc les élus de notre Grand Pic Saint-Loup. Alors, il faut savoir que auprès de ce syndicat, 10 communes de notre territoire sont concernées par ce bassin versant et par ce syndicat. Ce sont les communes d'Assas, Busignerques, Fontanès, Guzargues, Saint-Bosile-de-Montmel, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Vincent-de-Barbérac, Saint-Jean-de-Corny, Sainte-Croix-de-Quintillargues et Terrans. Les délégués élus par les EPCI, donc on a demandé à ce que le maire puisse être présent au sein de ce syndicat et qu'il puisse être accompagné d'un élu municipal, principalement, on va dire, un élu qui a compétence, ou en tous les cas, qui a une compétence, pourquoi pas, en travaux ou en voirie, de manière à ce que c'est quand même un peu technique, c'est même, je dirais, très technique, ce type de syndicat. Donc, la liste nous a été communiquée. Il faut savoir que au sein du SMGC, donc, nous représentons 20 délégués, que Montpellier Méditerranée Métropole, puisque c'est un syndicat qui intervient sur plusieurs collectivités, Montpellier Méditerranée Métropole a 18 délégués, et puis après, il y a la commune de Boisseron, de Campagne, de Galargue, de Garrigue et de Saucine, qui ont chacune 2 délégués. Donc au total, il y a 48 délégués donc, dans ce syndicat. Les propositions sont les suivantes. Pour la commune d'Assas, M. Gros et M. Cournet. Pour la commune de Busignac, Mme Rouvière-Esposito et Mme Berger. Pour Fontanès, Geneviève Castagnier et Marianne Bautreau. Pour Guzargues, Pierre-Antoine et M. Bord. Saint-Bosile-de-Montmel, Françoise Matteron et M. ou Mme Perrière. M. Perrière, pardon. Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Jean-Michel Pécoul et Rémi Aliaga. Saint-Jean-de-Corny, Jean-Claude Armand et M. Béziat. Saint-Vincent-de-Barbérac, Frédéric Cossil et Michel Garcia. Sainte-Croix de Quintillargues, M. Martinez et M. Lagarde. Et pour la commune de Terrans, Éric Bascou et Guy Glaise. Voilà, ce sont donc des élus qui ont été proposés par les communes, que je me fais tout simplement aujourd'hui écho devant vous. Donc je vous propose de valider cette liste donc, pour représenter notre communauté de communes au sein de ce syndicat mixte Garrigue Campagne. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, je vous propose donc de voter sur cette proposition. Le vote est ouvert.
majorité, c'est voté. Je vous remercie. Ensuite, il s'agit de désigner les représentants de la communauté de communes au sein des conseils d'administration des collèges et lycées du territoire. Alors, nous avons 4 établissements qui sont concernés par notre participation, sachant qu'il faut savoir que dans tous ces établissements, il y a déjà des représentants des communes sur lesquelles sont installés ces établissements. Donc, il y a le collège du Pic-Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière, il y a le collège François Fillon à Saint-Gilles-du-Fesque, le collège Alain Savary à Saint-Mathieu-de-Trévies, le lycée Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière. Je propose pour le collège du Pic-Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière, Dominique Sibold, pour le collège François Fillon à Saint-Gilles-du-Fesque, Michel Lernoux, pour le collège Alain Savary à Saint-Mathieu-de-Trévies, Jérôme Lopez, et pour le lycée Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière, Dominique Sibold. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non, je vous propose de voter donc pour ces représentations. Sylvain, il ne marche pas ton boîtier. Tu as appuyé sur le 1. Voilà. Voici. Donc, majorité absolue. Donc, merci aux représentants de notre intercommunalité dans ces différentes instances et de pouvoir nous faire remonter aussi tous les sujets en lien avec la gestion de ces établissements. C'est parfois important qu'on soit bien informé pour pouvoir agir. Je désigne maintenant les représentants de notre communauté de communes à l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Occitanie, connue sous le nom de ATMO Occitanie. C'est une association de 1901 agréée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui regroupe 81 collectivités territoriales pour assurer la surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de la région Occitanie. ATMO Occitanie fait partie de la fédération ATMO France. C'est dans le cadre de l'élaboration du plan climat air énergie piloté par le Grand Pic-Saint-Loup et de l'animation donc, de ce plan que nous avons à nous intéresser de près à la qualité de l'air. Et c'est donc une des actions qui est à mener dans le cadre du plan climat air énergie. La communauté de communes adhère, comme vous l'avez compris, à cette association et elle met à notre disposition des données intéressantes et à suivre sur la qualité de l'air et les émissions de polluants. C'est une instance qui est d'expertise et d'échange avec l'ensemble des territoires, y compris les territoires voisins. Je propose pour nous représenter à cette instance Claude Saint-Pierre et je sollicite s'il y a d'autres candidatures. Pas d'autres candidatures, donc je mets au vote, si vous voulez bien. Parfait, c'est voté, majorité. Maintenant, c'est la désignation des représentants de la communauté de communes. On retourne un petit peu dans l'eau avec le syndicat mixte du bassin de l'Or, appelé le CIMBO. Alors, le CIMBO, c'est aussi un établissement public territorial de bassin qui a pour objectif, comme les autres, de coordonner et animer l'ensemble des actions qui sont menées sur le bassin
La prévention notamment, bien évidemment, des inondations et de la défense contre la mer, un petit peu ce qu'on a vu déjà précédemment. C'est juste une question de localisation. En sus des compétences donc, qui lui sont attribuées, les membres du syndicat peuvent aussi lui confier par délégation, toute ou partie, des missions relevant de la compétence de GEMAPI. Vous savez que cette compétence GEMAPI dont on aura parlé tout à l'heure en dernier point. Voilà, donc on a signé là aussi une convention cadre de délégation sur un certain nombre de missions, la 1, la 2, la 5 et la 8, qui ont été signées il y a peu de temps, au mois de février 2020, pour une durée de 7 ans. Et puis on a également une convention subséquente relative à la mise en œuvre récurrente de l'item 2 et 8, qui ont été signées le 3 février 2020, pour une durée de 7 ans là aussi. Alors, TPTB, donc, pour la gouvernance, le département a 6 titulaires, 6 suppléants, Montpellier Méditerranée Métropole, 6 et 6, Communauté d'agglomération de Pays de l'Or, 6 et 6, Communauté de communes du Pays de Lunel, 6 et 6, et pour notre communauté de communes, 1 et 1. Bon, c'est vrai que les temps de l'Or, c'est pas vraiment à côté de nous, mais pour autant, on est représentés. Je vous propose pour siéger donc Jean-Claude Armand, comme titulaire, et Éric Bascou comme délégué suppléant. Des questions? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc j'ouvre les votes. Majorité absolue, c'est voté, je vous remercie. Ne pensez pas qu'on profite de l'absence de Jean-Claude Armand pour lui coller toutes les délégations. Hein. Il est bien évidemment informé et ça fait aujourd'hui partie de sa mission. Il faut qu'il soit présent dans tous ces établissements. C'est très important pour nous, pour bien comprendre les stratégies qui sont nécessaires sur ce... cette compétence de l'eau, qui est une compétence très importante, et vous le verrez tout au long de ce mandat. Désignation maintenant des représentants de la communauté de communes au sein de l'association Grand Pic Saint-Loup Cévennes. Alors, c'est quelque chose de nouveau. On a délibéré le 16 avril 2019 pour approuver donc des statuts Grand Pic Saint-Loup Cévennes. C'est une instance qui permet de porter des projets sollicitant l'aide et l'accompagnement de la région, notamment au niveau des subventions, dans le cadre du contrat territorial régional donc, qui a été signé avec la région Occitanie. La région Occitanie ne signe aujourd'hui des contrats territoriaux qu'avec au minimum 2 collectivités. Donc une seule, même si sa taille est importante, ne suffit pas. Il faut être au moins 2 collectivités. C'est pour ça que nous avons créé cette association Grand Pic Saint-Loup Cévennes, donc c'est avec la communauté de communes Cévennes, Gangeoise et Suménoise, et nous-mêmes, qu'on a signé donc, pour permettre donc, à la région tout simplement d'être notre partenaire attentif sur la réalisation de nos projets. Les statuts ont été écrits de la sorte, il est nécessaire de désigner 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants, dont le président pour l'Assemblée générale, et 3 représentants titulaires, dont le président et 3 représentants suppléants pour le bureau. Alors je propose pour ces candidatures Alain Barbe, moi-même bien sûr, Jérôme Lopez, Éric Bascou, Hussam Al-Malak, Antoine Martinez, Laurent Sonnet en tant que représentant titulaire, et Michel Lernoux, Laurence Christol, Gérard Brunel, Philippe Tourier, Anne Durand, Philippe Doutremepuich en tant que représentant suppléant à l'Assemblée générale. Je mets dans le même vote, c'est bien ça Nathalie, les représentants concernant le bureau, donc Alain Barbe, Jérôme Lopez, Éric Bascou en tant que représentant titulaire, et Hussam Al-Malak, Antoine Martinez et Laurent Sonnet en tant que représentant suppléant au bureau. Est-ce que vous avez besoin d'explications? Non, je vous propose donc de voter sur cette proposition.
Voilà, c'est voté. Je vous remercie. Le point suivant, les représentants au sein de l'EPIC Tourisme et Loisirs en Grand Pic Saint-Loup, dont nous avons tout à l'heure modifié les statuts. Il faut savoir que donc, nous sommes compétents en tourisme et que notre compétence s'étend bien évidemment sur les 36 communes de notre communauté depuis mai 2014, donc avec la création d'un office du tourisme, EPIC, qui est un établissement public, industriel et commercial. Donc il est administré par un conseil d'administration, un comité de direction, qui est composé d'élus et de représentants du professionnel du territoire. Donc pour aujourd'hui, il s'agit de désigner les élus, et puis il y aura après à composer autour d'eux donc les représentants des professions du territoire, des professionnels du territoire. Alors il s'agit de désigner 10 membres titulaires et 10 membres suppléants qui doivent être donc désignés par le conseil de communauté. Je propose pour les délégués titulaires Philippe Leclan, Laurence Christol, Jérôme Lopez, Dominique Poudevigne, Antoine Martinez, Gérard Fabre, Pierre-Antoine, Jean-Pierre Rambier, Éric Riguet, Myriam Sabatier, voilà pour les titulaires. Pour les suppléants, Françoise Galas, Corinne Martinez, Martine Durand-Rambier, Pierre Nico, Anne Durand, Philippe Catania, Romain Kuzowski, Pascal Vabre, Laurent Senet, René Albe. Est-ce que vous avez des questions? Des interrogations? Oui. Pardon. En effet. Non, mais c'est... Excusez-nous, Stéphane. On va se familiariser avec tout le monde. Hein. Ça nous fera encore un petit peu de temps. Merci pour cette correction. Pas d'autres interventions? Je vous propose de voter. Parfait, c'est voté, je vous remercie. Ensuite, il s'agit de désigner les représentants au sein du syndicat du bassin du Lèze, encore de l'eau, EPTB, la commission locale de l'eau, de la clé Sage du Lèze, Mosson, Étang, Palavoisien. On va tous les faire. Hein. Ça vous donne à peu près l'étendue du territoire sur lequel nous sommes acteurs. Alors là, bon, vous avez sur notre note de synthèse, il y a quand même un texte assez long hein, sur cette EPTB. Vous pouvez le relire. Globalement, je vais vous dire qu'il assure notamment l'animation et la concertation relative à la prévention des inondations, comme tous. Hein, donc, c'est pas nouveau. La protection de la ressource en eau, milieu aquatique. L'animation de démarches de protection, la préservation des espaces naturels, biodiversité, Natura 2000 notamment, les périmètres lèzes. Mais aussi les étangs palavoisiens et l'étang de l'Estagnol. Peut-être que vous ne savez pas où c'est, vous aurez l'occasion de le découvrir. Oui, on va faire dans le temps. Et la participation à la lutte contre la pollution, donc associée au bassin versant, la protection et conservation des eaux superficielles souterraines, voilà, bah, toutes ces choses qui sont habituelles. Et au même titre que les autres EPTB, le CIB est aussi habilité à recevoir les délégations de compétences pour les GEMAPI. Alors, pour notre communauté, donc cet EPTB, il est composé de 23 membres titulaires, 23 membres suppléants. Notre communauté de communes, donc 4 membres titulaires, 4 membres suppléants. Le département en a 8, Montpellier Méditerranée Métropole 8. Comité d'agglomération 1, 7 agro pôle 1, comité de la Vallée de l'Hérault 1. Bon, en fonction du positionnement de la collectivité, on a plus ou moins 2 délégués. Donc c'est 4 titulaires et 4 suppléants pour notre communauté de communes. Je propose les candidatures d'Éric Stéphanie en titulaire, Jean-Claude Armand, Frédéric Cossil, Pascal Vabre en tant que délégué titulaire et Patrick Burt. Maurice Regeff, Ghislaine Villespire, Éric Riguet en tant que délégué suppléant pour... Voilà.
Je vous propose qu'on vote qu'une seule fois. Je vous donne également les informations sur la clé, puisqu'on a les deux dans un même chapitre, donc on votera une fois. Alors la clé, c'est pareil, hein, vous l'avez aussi sur votre note de synthèse, je vais peut-être vous épargner de vous lire tout ça, c'est très long, c'est comme les autres clés qu'on a passées précédemment, c'est exactement les mêmes missions, les mêmes rôles, c'est juste l'endroit qui change, mais globalement le travail est le même. Je vous propose pour la clé donc la candidature de Michel Lernoux, Francine Boé et Jean-Claude Armand, et ensuite... Alors, je suis où là ? Pascal Vabre. Alors, c'est quoi là ? Je suis un peu perdu. Je me suis trompé là. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et voilà, en tant que délégué, en fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est quatre, mais oui, il n'y en a que quatre là sur la clé. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est les quatre voilà, pour la clé. Je vous les redonne, excusez-moi. Michel Lernoux, Francine Boé, Jean-Claude Armand et Pascal Vabre. Excusez-moi, mais. Comme je vous l'avais dit, l'exercice, il n'est pas simple. Avez-vous des questions sur ça ? On va voter pour les deux, à la fois les représentants de la clé et les représentants de l'EPTB. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vous propose de voter. Eh bien, c'est voté. Il y a une voix contre, 60 pour. Ensuite, il s'agit de l'élection au syndicat mixte entre PIC et Étang, davantage connu sous le nom de SMEP, qui est le syndicat mixte qui gère les déchets, pas seulement de notre territoire, mais d'autres territoires communautaires. Donc, c'est donc un syndicat qui est chargé du traitement des déchets ménagers assimilés. Il est appuyé sur 6 groupements intercommunaux. Il s'étend sur 89 communes du sud-est de l'Hérault au sud-ouest du Gard. C'est un périmètre quand même assez important. L'objectif de ce syndicat au départ, c'était tout simplement de s'entendre et du faire ensemble. Concernant la problématique qui concerne à résoudre collectivement le problème des décharges qui s'étaient à la fois à ce temps saturées, voire polluantes. Alors, la communauté de communes est membre de ce syndicat mixte. Elle est représentée par 4 titulaires et 4 délégués suppléants. Donc sont concernées la commune de Lunel-Vieille en tant que telle, puisque l'incinérateur est situé sur la commune de Lunel-Vieille, donc ils ont une voix. Ensuite, le Pays de Lunel, donc 4 titulaires et 4 suppléants. Pays de l'Or, 4 titulaires, 4 suppléants. Rosny-Vostre-Vidourle, 4 titulaires, 4 suppléants. Grand-Pic-Saint-Loup, 4 titulaires, 4 suppléants. Pays de Sommières, 4 titulaires, 4 suppléants. Et Terre de Camargue, 4 titulaires, 4 suppléants. Ce qui fait en tout 25 titulaires et 25 suppléants. Autant dire l'importance d'être présent dans ce syndicat et d'être vigilant. Il s'agit de la filière terminale, je dirais, du traitement de nos déchets. Donc nous devons être donc d'une vigilance extrême, je dirais, concernant le fonctionnement de ce syndicat. Donc, il y a des enjeux aujourd'hui très importants. Vous aurez l'occasion de le voir dans la suite de nos travaux communautaires. Je propose... pour représenter notre communauté de communes, la candidature de Françoise Matteron, Pierre-Antoine, Laurent Senet, Georges Capu en tant que délégué titulaire, et je propose en délégué suppléant Sylvain Allais, Éric Bascou, Antoine Martinez et Romain Kusowski. Y a-t-il des questions ? Je vous propose de voter sur cette proposition. Une abstention.
désignation des élus représentants de la communauté de communes au sein de la commission consultative paritaire instaurée par Héro Énergie, qui a fait d'ailleurs son assemblée générale hier. Il convient de procéder à... c'était Héro Ingénierie, excusez-moi, il m'embrouille. Oui, excusez-moi, oui, c'est Héro Énergie. Héro Énergie donc, a notifié donc, la création d'une commission consultative entre le syndicat mixte énergie du département de l'Hérault et l'ensemble des EPCI. Je sais que certaines communes y sont en tant que communes aussi, mais on doit aussi nous avoir des représentants pour notre communauté de communes. Ils interviennent sur 33 communes, 334 pardon, communes de l'Hérault. Et c'est la première autorité aujourd'hui qu'on s'étende du département de l'Hérault dans le domaine de la distribution d'énergie. Ça concerne l'électricité, mais aussi le gaz. Vous avez dans votre note l'ensemble des orientations qui sont données donc, à cette instance. Je propose, pour siéger donc, au sein d'Hérault Énergie, la candidature de Jean-Baptiste Pancho comme titulaire et de... Monsieur Catania, c'est ça, en tant que délégué suppléant. Mais j'ai toujours Philippe dans ma note. Hein. J'ai Philippe partout. Hein. Donc, je corrige. Excusez-nous, Stéphane, d'avoir... j'ai eu un blanc, là. Je savais bien que j'allais dire une bêtise. Hein. Je ne voulais pas le refaire deux fois. Donc, si vous en êtes d'accord, voilà la proposition donc, que je fais donc, pour assister et être présent à Héro Énergie pour notre communauté de communes dans ces deux délégués communautaires. Des questions ? Je vous propose de voter sur ces propositions. Ah ouais, ouais. Quand j'ai le doute, mais généralement, je n'ai pas le doute. Et quand ça se met, comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Philippe. Il y a quelqu'un qui a mis un Philippe quelque part, non ? C'est quelqu'un qui s'est trompé. Ouais. Donc c'est voté. Je vous remercie. Ensuite, désignation des élus représentants au sein de l'agence technique départementale d'Hérault Ingénierie. On y est cette fois-ci, qui a fait son assemblée générale hier. Vous ne connaissez peut-être pas tous encore le rôle et les missions d'Hérault Ingénierie, qui est une agence technique qui a été installée par le département de l'Hérault et qui a vocation à vous accompagner, à accompagner les collectivités, que ce soit notre communauté ou bien aussi les communes, dans divers projets d'aménagement. Ça peut toucher le domaine de l'eau potable, de l'assainissement. C'était un petit peu, l'objectif premier. Mais pour autant, aujourd'hui, leurs travaux peuvent également concerner la voirie, l'habitat ou différentes autres choses comme de l'équipement. Voilà, c'est une assistance technique, juridique et aussi financière. Il faut savoir que c'est une filiale forcément du département de l'Hérault, donc ça peut aussi ouvrir quelques portes pour obtenir des accompagnements et des financements de vos projets. Donc là, je propose de me désigner comme candidat titulaire et je propose Jean-Baptiste Pancho en tant que délégué suppléant pour Héro Ingénierie. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous mets au vote cette proposition. Très bien. Bon, c'est mieux comme ils m'ont déjà désigné hier comme suppléant au conseil d'administration. Et un temps d'avance. Je vous remercie pour ce vote. Et je passe à la mission locale Garrigues-Cévennes. Je ne sais pas si vous connaissez tous la mission locale Garrigues-Cévennes. C'est un établissement très important pour notre territoire. Qui a considérablement été présent sur notre territoire, notamment vis-à-vis des jeunes de nos territoires
et qui est toujours à la recherche de leur proposer des solutions personnalisées, notamment dans leur recherche d'emploi, de formation. Cette mission locale Garrigues-Cévennes a élargi aujourd'hui son cercle, je dirais, de compétences, puisqu'aujourd'hui, elle s'occupe pas seulement de l'emploi et de la formation, mais également, elle intervient au niveau de la prévention, de la santé, du logement, du transport, de l'accès à la culture, aux loisirs et au sport. Donc, c'est vraiment une instance importante qui joue un rôle, vous le verrez, très, très important. Et c'est souvent une solution très appréciée de la part des communes lorsqu'elles on a devant nous des jeunes qui sont un petit peu désorientés. N'hésitez pas à les diriger vers la mission locale Garrigues et Cévennes. Il y a non seulement de la compétence, mais aussi des résultats très intéressants. Donc, nous sommes, on peut dire, à l'origine quasiment de cette mission locale qui a pris des évolutions, qui aujourd'hui est sur trois territoires. Et on a toujours été, je dirais, en avant-garde pour être acteur, notamment à la présidence de cette structure. Et je profite aujourd'hui pour remercier Robert Ivanez, qui en a été le président, et l'ensemble des présidents précédents qui ont toujours, je dirais, réalisé un travail remarquable pour les jeunes de notre territoire. Donc il convient de désigner quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour siéger au sein de la mission locale Garrigues-Cévennes. Je propose la candidature de Françoise Galas, Annie Lamort, Christine Houdon et Antoine Martinez comme titulaires. Et en tant que suppléant, Michel Lernoux, Anthony Ledu, Gérard Fabre et Geneviève Castagnier, donc en tant que suppléant. Et je vous annonce que Françoise Galas, donc, qui est la vice-présidente en charge donc de l'action sociale et de l'enfance, sera donc candidate pour poursuivre donc notre trace sur la présidence de cet établissement. Donc évidemment, c'est un vote, c'est pas nous qui devons désigner, mais bon, je lui souhaite bonne chance et elle aura tout notre appui pour cette belle mission. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je mets au vote cette proposition. C'est voté à majorité, je vous remercie. Ensuite, désignation des représentants au syndicat mixte filière viande. C'est le point que j'ai fait ajouter à votre ordre du jour, dont vous n'avez pas forcément les explications. Donc je vais vous en donner quelques-unes. C'est bien ça ce qu'on a d'affiché. On est bon. Donc le syndicat mixte filière viandero s'est constitué afin d'apporter une réponse forte au développement de la filière viande. Son action s'articule autour de deux compétences génériques: favoriser la valorisation des produits de la filière élevage du département et des zones limitrophes, et également assurer la gestion de l'abattoir public et de l'atelier de découpe de Pézenas. Donc là, nous avons besoin d'avoir un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein de ce syndicat mixte filière viandero. Je propose la candidature de Laurent Senet en lien direct avec la vice-présidence dont il est chargé notamment de l'agriculture, et en délégué suppléant Jean-Michel Pécoul en tant que délégué suppléant, donc pour l'assister en cas de besoin. Est-ce que ça suscite des questions? Pas de questions, je mets au vote ces propositions. Donc c'est voté à l'unanimité, je vous remercie.
Alors, on en a terminé avec la désignation des membres dans les trucs. Je vous avais dit que ça allait être un petit peu laborieux. Je vous remercie en tous les cas de votre patience, de votre écoute. Et on va poursuivre l'ordre du jour qui est chargé, vous l'avez compris. Je vais essayer de faire au mieux pour vous donner les explications nécessaires et avancer le mieux possible sur cet ordre du jour. Alors tout d'abord, c'est une autorisation de signature d'un contrat support de maintenance concernant un logiciel pour le vote électronique, donc le DELIP 360. Bon, c'est juste un contrat d'une durée de 12 mois, donc qui est à tout simplement à signer, qui a été à compter de janvier 2020 et qui sera renouvelable par période annuelle, par tacite reconduction, sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 reconductions. C'est un montant de 450 € hors taxes par an. Je pense qu'il n'y a pas matière à y passer plus de temps. Et si vous êtes d'accord, je le soumets à votre délibération. Le vote est ouvert. Très bien, c'est voté, je vous remercie. Dans le même ordre d'idée, il s'agit du marché de téléphonie fixe, tout simplement d'une convention avec l'UGAP qui nous permet de faire quelques économies globalement sur les abonnements en ligne analogique, dont l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir faire quelques économies sur sur ce marché de téléphonie fixe. Vous avez l'information sous votre note de synthèse, ça représentera une économie de 1 000 €, c'est toujours bon à prendre. Il n'y a pas de petites économies aujourd'hui. Donc je vous propose de signer une convention donc, avec l'UGAP, permettant donc désormais donc, de les charger de l'exécution des services de téléphonie fixe pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois. Et bien évidemment, la dépense sera inscrite au budget. Des questions ? Pas de questions, je propose de voter sur ce point. Anne, voilà, merci. Le point suivant, non, c'est voté, merci. Élection de la commission d'appel d'offres, marché public et concession. Donc, je rappelle juste que on a dû fixer à la date butoir du 23 juillet donc 2020 la date limite des dépôts des listes pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, ce n'était pas un choix. Nous avons dû nous plier aux exigences. Donc, je vous rappelle ici la liste qui a été déposée avec 5 titulaires. Michel Lernoux, Pierre-Antoine, Françoise Galas, Antoine Martinez et Jérôme Pouget. Et pour les suppléants, Anne Durand, Jérôme Lopez, Dominique Poudevigne, Philippe Tourier et Jean-Baptiste Panchaud. Je rappelle ici que, au regard des délais de convocation parfois très courts de la commission d'appel d'offres, on est très souvent sollicité, qu'on soit suppléant ou qu'on soit titulaire. Et c'est rare d'ailleurs quand on a des commissions d'appel d'offres uniquement avec les titulaires. On a parfois des commissions d'appel d'offres qui doivent se faire rapidement. Et donc, il faut être réactif. Donc, je propose cette liste. Est-ce qu'il y a une autre liste déposée ? Non, il ne peut pas y en avoir. Ça aurait dû être déposé avant la date du 23. Donc, je soumets tout simplement à votre vote cette liste de la commission d'appel d'offres. On a voté ? Oui, c'est voté. Très bien. Le guide de processus d'achat pour la passation des marchés
public. Bon, vous êtes un peu au fait hein, de ces éléments-là. Ils ne sont pas spécifiques à notre communauté, ils sont valables aussi dans, dans les communes. Donc, je ne vous apprendrai rien à vous dire que les seuils de procédure ont été revus et formalisés et que donc désormais, à compter du 1er janvier 2020, c'est 214 000 euros pour les marchés de fourniture et services des pouvoirs adjudicateurs, 428 000 euros pour les marchés de fourniture et services des entités adjudicatrices, 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concession des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices. Que vous dire de plus ? Voilà, il suffit tout simplement d'adopter hein, ce guide de processus achat, mais bon, il est, on ne peut pas de toute façon le corriger, c'est celui-ci, donc il faut l'adopter tel qu'il est. Ce n'est pas nous qui décidons. Donc, je vous propose, si vous n'avez pas de questions, de le mettre à votre vote. Le vote est ouvert. Ensuite, j'ai comme point suivant la présentation du rapport 2019 du délégataire pour la gestion de la chambre funéraire à Saint-Gély. Pardon, excusez-moi, on n'a pas fini de voter. René. Voilà. Pardon. 58 voix pour et 3 abstentions. Pour les abstentions, vous savez que le guide, hein, malheureusement, il est imposé. On n'a pas trop le choix. On peut toujours s'abstenir, mais même si on votait tous contre, on serait quand même obligé de l'appliquer. Hein. C'est le paradoxe. Hein. Présentation du rapport 2019 du délégataire pour la gestion de la chambre funéraire à Saint-Gély-du-Fesc. Alors, vous avez reçu le rapport annuel 2019 sur la gestion funéraire. Il est à retenir quelques informations, notamment, bon, que vous le savez, mais il est situé à Saint-Gély-du-Fesc et qu'il est assuré et géré par la société Aliaga. Et puis, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail du rapport. Vous avez vu qu'il y a une petite augmentation d'activité. On pourrait s'en passer. Mais c'est ainsi, donc je ne vais pas y passer davantage de temps. Vous dire juste que la redevance 2019, elle est forcément calculée aussi par rapport à l'activité de la structure. Donc, en fonction de l'activité, les redevances sont réévaluées. Donc, cette augmentation, c'est une augmentation donc, de 15% de la redevance qui est liée tout simplement à l'augmentation de l'activité, particulièrement à la refacturation en lien avec la salle de thanatopraxie. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport ? Pas de questions, je le mets à votre vote. Voilà, c'est voté, je vous remercie. Alors ensuite, c'est le lancement d'une consultation pour un accord cadre à bon de commande concernant des prestations d'inspection télévisuelle, des réseaux d'assainissement, tests d'étanchéité et essais de compactage. Donc, c'est des choses qu'on réalise dans le cadre de notre compétence sur la collecte des eaux usées, notamment avec des diagnostics de réseaux et également des contrôles post-travaux. Donc, c'est la régie de l'eau et de l'assainissement donc, qui gère et qui envisage de se doter d'un accord cadre à bon de commande en vue de réaliser, donc, en appui des prestataires agréés, ces diagnostics de réseau préalables qui sont nécessaires à toutes les opérations avant travaux, hein, puisqu'on ne peut pas lancer des travaux sans avoir fait ces contrôles.
Donc on propose d'allotir cette consultation sur trois lots. Un premier lot inspection télévisuelle des réseaux, un lot 2 essai d'étanchéité des réseaux et un lot 3 contrôle de compactage des tranchées. Respectivement, le lot 1 85 000 euros, le lot 2 35 000, le lot 3 25 000 euros doit donc un total de 145 000 euros hors taxes, sachant que cette proposition avait reçu un avis favorable de la commission eau qui s'est tenue le 19 septembre 2019, pas d'hier. Et donc il s'agit aujourd'hui de valider cela, sachant qu'on avait déjà pris une délibération qui avait été approuvée en 2019 permettant de lancer la procédure et qu'il y a entre-temps donc, un changement de seuil donc, sur le montant des seuils qui nous contraignent aujourd'hui à reprendre une délibération concernant cette opération. Il est donc proposé d'annuler la délibération du 14 octobre 2019 et de nous autoriser à lancer une nouvelle consultation en adaptant bien évidemment la procédure d'appel d'offres pour un montant donc qui ne sera plus calculé sur 3 ans mais sur 4 ans et un montant total de 580 000 euros alors qu'au départ c'est ça, c'était sur 3 ans. Donc, en fait, c'est tout simplement de relancer une procédure qui avait déjà été validée, mais qui nécessite une adaptation par rapport à la procédure adaptée. Est-ce que ça suscite des questions? Pas de questions. Je vous propose de mettre au vote donc, cette proposition pour relancer cette procédure. Donc, c'est voté avec une voix contre. Marché pour la collecte des colonnes d'apport volontaire pour le verre 2021-2023. Je vais me reposer 2 minutes et boire un petit verre et je vais demander au vice-président, M. Senet, de présenter ce point. Il peut le faire ? Mais je vais être aussi laconique que toi, hein, Alain. Merci. Hein, je te laisse juste le temps de boire un verre. Ça, c'est classique. Hein, ça, c'est le renouvellement. C'est dans le fonctionnement normal du service. S'il y a des questions plus précises par rapport aux quantités et tout ça, on peut y répondre. Ça t'a laissé le temps de boire un verre ? Merci, monsieur le vice-président. Je vous propose de voter sur cette proposition. Donc, c'est voté. Je vous remercie. Ah, alors, on va changer de rubrique, on passe au point finance, vous voyez qu'on avance. J'essaie de vous encourager. Alors, on va attaquer les points finance avec tout d'abord le vote des comptes de gestion 2019. Je vais donc laisser la parole à Pierre-Antoine, vice-président en charge des finances, qui va s'exprimer pour la première fois dans ce nouveau poste. Mon cher Pierre, tu as la parole pour le compte de gestion 2019. Merci, Président, et bonjour à toutes et à tous. Donc, il s'agit là de voter les comptes de gestion 2019, donc de l'année dernière. Donc, les comptes de gestion 2019 du receveur préalablement soumis à l'examen de la commission des finances reflètent, je vous l'assure, de manière fidèle l'état du compte administratif tenu chez l'ordonnateur. Donc là, vous avez aussi les tableaux sur votre note de synthèse. Donc on y reviendra tout à l'heure, qui donne un petit peu l'ensemble des dépenses et recettes pour le budget principal et pour les budgets annexes. Pierre, tu as un micro qui crachote, je te propose peut-être d'en prendre un autre. Je vais changer avec celui-là. Je pense que c'est le micro. Non.
faut pas enlever le masque. Gardez le vôtre. Vous m'entendez mieux là, c'est plus clair. Donc, je vous disais que je vous l'assure, le compte de gestion du receveur est totalement identique à nos comptes administratifs. Donc, je vous propose le vote de ces comptes de gestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous connaissez cet exercice, hein, c'est un exercice qui est habituel, je pense, pour les élus. Donc, je vous propose de voter donc, sur cette proposition du compte de gestion du receveur. Merci. Cinquante-neuf voix pour et deux abstentions. Pierre, je te laisse présenter les comptes administratifs 2019. Budget principal pour commencer. Absolument. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas regarder tous les tableaux du budget principal et des budgets annexes. Il y en a 9 pour les nouveaux. Je crois que ça serait assez laborieux de le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder, faire une analyse des résultats, des grands chiffres, et de regarder les tendances et surtout d'expliquer ce qu'on a fait et pourquoi. Alors, le plan de la présentation, c'est en quelques transparents. On va regarder tout d'abord le compte. On va regarder donc le compte administratif du budget principal et leurs évolutions et les budgets annexes. Ensuite, on fera un focus sur les budgets annexes. Ensuite, on regardera le budget principal, recettes, dépenses de fonctionnement, recettes, dépenses d'investissement. Et en termes de conclusion, on regardera le budget, donc les résultats du budget principal avec l'épargne brute, le taux d'épargne et le ratio des endettements que l'on regarde à chaque fois à la fin de nos comptes administratifs. C'est Nathalie qui est à la manœuvre. Allez-y. Non, c'est Franck, je pense. Ah, c'est Franck, pardon. Alors, il s'agit, donc vous avez sur transparent le budget consolidé de la communauté de communes du Grand Picsaloux, qui représente 46 millions d'euros. Donc, c'est les dépenses réelles plus les opérations d'ordre, soit une augmentation de 19,2% par rapport à 2018. Donc, la première question que vous allez me poser, mais pourquoi cette augmentation? Donc, la réponse, on le verra tout à l'heure plus dans le détail, mais c'est essentiellement les dépenses d'investissement importantes que l'on a fait et les budgets d'investissement en DSP, notamment sur Saint-Gélis et Saint-Mathieu. Et également, les travaux d'aménagement de la Léliquière, phase 2, ont également été réalisés en grande partie sur l'année 2019. Donc, à retenir, donc 46 millions d'euros dépenses réelles plus opérations d'ordre, soit une augmentation de 19,2% par rapport à 2018. Alors là, comme je vous dis, c'est un focus sur les résultats des budgets annexes. Donc il y a 9 budgets annexes. Le Bel Air, les zones d'activité de Bel Air et de la Liquière, les prestations de services, l'eau potable, l'eau brute, l'assainissement en régie, l'assainissement en DSP. Malheureusement, on ne peut pas faire qu'un seul budget. L'assainissement collectif, non collectif, pardon, et la GEMAPI. Alors, sur le budget annexe, ce budget fait apparaître un résultat global et négatif de 2 millions d'euros. C'est le premier, la première ligne, 1,9 million. Tout simplement parce que vous savez que tant qu'on ne vend pas des terrains, c'est pas mis en positif. Donc, lorsque on va vendre l'ensemble des parcelles, des terrains de la zone d'activité, on aura un budget à l'équilibre. Concernant la Liquière. Et là, vous allez me dire, oui, mais celui-là, il est bénéficiaire de 1,2 million. Tout simplement parce qu'il y a eu donc, un emprunt pour permettre le financement de l'aménagement de la seconde phase de la zone. Et les dépenses afférentes au projet ont été réalisées à hauteur de 600 000 euros en 2019. Le sol sera mandaté en 2020. Des ventes sur la phase 1 ont été réalisées à hauteur de 770 000 euros.
en 2019. Il reste aujourd'hui une parcelle à vendre sous cette phase pour 138 000 euros. Donc les recettes prévisionnelles liées à la phase 2 s'élèvent à 1,5 million. Donc là, c'est pareil. Lorsqu'on aura vendu l'ensemble des parcelles, on saura l'équilibre sur ce lotissement à la Liquière. Les prestations de services. Alors, les prestations de services, il y a deux prestations de services, les ADS. Donc c'est tout ce qui permet de faire l'instruction des dossiers de permis pour toutes les communes qui adhèrent à ce service, mais aussi la balayeuse. Donc on est aujourd'hui en déficit de 208 000 euros. Donc logiquement, on espère que le travail qui sera mené prochainement sur la mutualisation devrait permettre de rééquilibrer ce budget. Alors je crois aussi qu'il y a eu, en termes d'investissement, l'achat d'une balayeuse. Alors je ne sais plus le coût, ça a été assez important. Donc évidemment, il faudra amortir le coût de cette balayeuse. Le budget eau potable. Alors l'opération de renforcement du système d'adduction, la distribution d'eau potable sur l'axe commune de Saint-Clément-de-Rivière, a été lancée en 2019. Il a été lancé, il n'est pas terminé, il reste encore à réaliser 3 millions d'euros, ce qui ampute les résultats des années antérieures. La contractualisation d'un emprunt pour financer cette opération est prévue évidemment en 2020. Concernant les budgets annexes assainissement, aussi bien en régie qu'en DSP, les dépenses d'investissement 2019 ont été consacrées aux opérations qui avaient été lancées initialement par les communes. Vous rappelez que lorsqu'on a transféré cette compétence à la communauté de communes, tous nos projets ont été transférés donc à la communauté de communes. Donc, je rappelle qu'il y a les communes de Loré, Fontanès, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Gilles-du-Fest hein, qui avaient été dans ces schémas directeurs. Et les schémas directeurs qui seront initiés en 2020 permettront d'établir une prospective financière sur ces budgets. Donc, il y a un certain nombre de communes qui avaient déjà lancé des schémas directeurs. Et il y aura un schéma directeur général pour l'ensemble des communes qui sera lancé en 2020. Alors, on bascule maintenant sur le budget principal, sur les recettes de fonctionnement. Donc, sur les recettes de fonctionnement, on a trois types de recettes. Toutes les recettes liées à la fiscalité, c'est le premier tableau que vous avez à gauche, en haut à gauche. Les recettes liées à la DGF et les recettes propres à la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Alors, vous avez sur le schéma en haut à gauche. Ça, c'est l'ensemble des recettes en bleu que nous recevons, en rouge celles que nous redonnons à l'État et en vert ce qui nous reste. À droite, vous voyez quand même que globalement, c'est plutôt positif la fiscalité pour la communauté de communes, hein, puisque regardez ce qui nous reste ici. Concernant donc la DGF, malheureusement la DGF c'est pas le cas. On voit qu'elle diminue d'année en année. Et vous avez ici les recettes de fonctionnement propres à la communauté de communes. Donc globalement, vous avez donc les recettes du budget principal hein, sont constituées majoritairement des recettes fiscales, on le voit ici. Et globalement, elles s'élèvent à 27,7 millions pour 2019. Donc ces recettes fiscales, évidemment, elles reflètent le dynamisme de la communauté de communes, puisque vous savez qu'on a quand même chaque année de plus en plus d'habitants qui viennent dans notre beau territoire, et ce dynamisme, il est lié à ça. Les recettes propres de la communauté de communes se maintiennent sur la période 2014-2019, on le voit là. Et vous avez ici donc le dernier tableau, qui représente l'exécution budgétaire des recettes de fonctionnement, qui est toujours supérieure aux prévisions budgétaires prudentes. Donc l'évolution 2018-2019 est de 4,6% et concerne essentiellement les recettes fiscales. Donc c'est tout le tableau du bas. Donc à retenir, les recettes fiscales qui ont plutôt tendance à augmenter, la DGF qui a plutôt tendance à diminuer et les recettes propres de la communauté de communes qui sont à peu près stables.
Alors, les dépenses de fonctionnement. Vous avez sur le schéma ici, alors quelle couleur c'est ce tube ? C'est donc bleu foncé, là vous l'avez en... Donc bleu, vert et jaune. En bleu, vous avez tout ce qui est dépenses à caractère général que vous avez dans vos mairies. Alors, je suis désolé, j'ai pas le pointeur. Ensuite, au milieu, en vert clair, vous avez les charges de personnel. Ici, au milieu. Et vous avez, et vous avez tout en haut les charges de gestion courante. Donc les dépenses fonctionnement sont maîtrisées. Vous voyez que sur les trois dernières années, vous voyez que aussi bien les charges en personnel que les charges à gestion à caractère général n'ont pas bougé. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent, comme vous le voyez sur le tableau, à 24 millions d'euros en 2019. Le premier graphique et le premier tableau montrent la répartition des dépenses par chapitre et leurs évolutions depuis 1914. Depuis 2017, une optimisation des dépenses de fonctionnement a été mise en place afin de réduire le rythme des augmentations. Rappelez-vous, tous les budgets de chaque vice-président ont été stables durant les trois dernières années. Il est à noter qu'en 2019, le prix de traitement des déchets a fortement diminué, ce qui a impacté les dépenses pour plus de 400 000 euros. Alors, vous avez toujours le dernier tableau en bas qui nous montre l'évolution des dépenses de fonctionnement de 2018 à 2019 à 1%. Les dépenses ont été exécutées, alors ça c'est plutôt un bon chiffre, pour 96% de la prévision budgétaire, ce qui est plutôt satisfaisant. C'est le tableau du bas. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Vous le savez, dans vos mairies, ce n'est pas toujours évident à faire. Alors, après le fonctionnement, l'investissement. Donc ce sont 6,4 millions d'euros qui ont été investis en 2019. On en a parlé tout à l'heure. Avec la fin des dépenses liées à la réalisation des projets de relocalisation de l'office du tourisme à Saint-Clément-de-Rivière, donc ça a été le gros projet de ces dernières années, la base nature, toujours à Saint-Clément-de-Rivière, le début des travaux de mise aux normes des déchetteries, une nouvelle pelouse synthétique pour le pôle sportif, ainsi que les fonds de concours versés aux communes pour 610 000 euros. N'est-ce pas, Laurent ? Donc c'est quand même important, les fonds de concours. C'est une année particulièrement chargée en termes d'investissement. C'est la raison pour laquelle on a ces chiffres-là. Donc les dépenses ont été réalisées à hauteur de 62% par rapport au budget prévu. Et les communes dépensent les fonds de concours, comme tu le dis très justement, Laurent. Donc le second tableau présente les résultats d'investissement pour 2019. Donc incluant les opérations d'ordre, qui concernent majoritairement, vous le savez, les écritures de dotation aux amortissements et les écritures de cession d'immobilisation, que l'on n'a pas dans les communes. Quand on dit réel, c'est sans les écritures de dotation aux amortissements et les cessions d'immobilisation. Donc les recettes d'investissement qui s'élèvent à 4 millions d'euros sont constituées essentiellement du FCTVA, 364 000 euros, des subventions perçues que l'on demande aux divers organismes, des réfactions du groupement de commandes des travaux de voirie pour 1,3 million chaque année. Donc c'est quand même un poste important, hein, puisque vous savez que les travaux qui sont faits par les communes, qui sont repayés aussi par les communes, et des dotations aux amortissements, écritures liées aux cessions d'immobilisation pour 2 millions d'euros. Donc ces recettes ne permettent pas de couvrir les dépenses effectuées, comme on le voit, effectuées. Donc un prélèvement au fonds de roulement est donc effectué à hauteur de 3 millions d'euros. Vous l'avez ici en bas, résultat d'investissement, 2 999. Donc à retenir, un investissement très fort pour le compte administratif d'investissement 2019, essentiellement dû au projet l'Office du tourisme, la base nature, le terrain de rugby, les fonds de concours. Donc, je pense que c'est quand même des dépenses liées au projet de territoire et c'est quand même aussi un bon dynamisme de la communauté de communes.
Alors, les résultats maintenant. Donc, d'après le détail des recettes et dépenses exposées plus tôt et des résultats antérieurs reportés, le résultat de fonctionnement en 2019, comme vous l'avez vu, est confortable hein, puisqu'il atteint la somme de 6 millions d'euros. Vous l'avez, le résultat de fonctionnement, en reportant l'année N-1. L'épargne brute, elle s'élève, quant à elle, pour 2019, à 3,6 millions, hein, quand on enlève les dotations d'amortissement, soit un taux d'épargne brute de 13%. L'épargne nette, ou la capacité d'autofinancement, qui correspond à l'épargne brute à laquelle on va retrancher le montant du capital des emprunts, permet de mesurer la réelle capacité de la collectivité à investir. Et elle s'élève à 2,9 millions. Donc c'est un chiffre quand même important et qui reflète la bonne santé de la communauté de communes. Donc ces résultats sont très satisfaisants. Il sera important de pouvoir évidemment les maintenir pour garantir la réalisation de futurs projets pour les territoires, pour les années à venir. Alors ça, vous le savez, vous l'avez dans vos communes, c'est l'évolution du ratio de désendettement hein, pour le budget principal. Donc le ratio de désendettement de la communauté de communes s'améliore en 2019, puisqu'en fait, aucun emprunt n'a été réalisé cette année. Il s'établit à 2,93 années, donc à 3 années, ce qui est bien en deçà du niveau critique. Vous savez que le niveau critique est autour de 12-13 ans. Donc on est vraiment bien en deçà de niveau critique. Alors, cependant, les projets étant en cours de réalisation, l'année 2020 portera une part importante d'investissement, confère les restarisés de 2,6 millions, avec la construction du gymnase, la poursuite de la mise aux normes des déchetteries, ou encore les études concernant la salle de spectacle intercommunale à Saint-Gilles-du-Fesque. Donc, il est prévu, évidemment, pour financer ces projets dans le cadre de notre projet de territoire BIS, hein, il est prévu de contractualiser un emprunt courant en 2020 pour permettre évidemment le financement de ces projets. Donc en conclusion, les résultats 2019 montrent une exécution budgétaire satisfaisante. Le résultat de fonctionnement, comme vous l'avez vu, couvre le résultat d'investissement sur l'année. Et les ratios financiers sont rassurants quant à la santé financière de la collectivité. Alors, néanmoins, vous savez que la réforme de la taxe d'habitation ainsi que la crise sanitaire qui nous a touchés ces derniers mois amène de nombreuses inconnues, puisque vous savez qu'on la taxe d'habitation, on va continuer à recevoir la taxe d'habitation avec la photo de 2017, mais elle sera financée avec la TVA. Et la TVA, elle reflète le dynamisme de nos entreprises. La crise sanitaire étant là, on peut avoir des doutes sur l'enveloppe totale nationale de la TVA qui devrait logiquement baisser avec la perte d'activité due à la crise sanitaire. Donc là-dessus, effectivement, vigilance, puisqu'on verra comment les services de l'État vont nous compenser la taxe d'habitation. Voilà. Donc évidemment, il conviendra de maintenir ces ratios qui sont satisfaisants dans l'exécution du prochain projet de territoire que nous mènerons tous ensemble. Si vous avez des questions, les services sont là aussi pour entendre les détails. Bien, avez-vous des questions sur cette présentation? Merci Pierre pour cette présentation la plus claire qu'il est possible de faire ce soir. C'est forcément un peu brutal pour vous de découvrir ces budgets qui sont quand même des budgets conséquents. On n'a pas l'habitude d'être sur ces hauteurs de budget dans les petites communes. Ça montre toute l'implication qui est la nôtre aujourd'hui, élu du territoire et élu des communes au sein de notre intercommunalité. Vous l'avez compris, on a un rôle important, on a quand même des budgets importants à gérer, que ce soit pour le fonctionnement, mais que ce soit aussi pour l'investissement sur notre territoire. Donc vous pouvez peut-être ce soir mieux mesurer l'action communautaire de par son budget. Ça vous donne quand même un petit peu le spectre qui est de notre communauté et de ses actions au quotidien. Si vous n'avez pas de questions, je vais sortir le temps de vous laisser prendre la délibération donc, sur cette proposition du compte administratif. Pas de questions ? Donc permettez-moi le temps de sortir.
Je vous propose, le vote est ouvert, donc de voter pour l'approbation des comptes administratifs 2019. Le vote est ouvert. Écoutez, 61 voix sur 61. Pour 57 voix, abstention 3, ne prend part au vote 1. Merci beaucoup. Il peut revenir, le président. Pas fini, j'en ai encore deux. Très bien, merci de votre confiance et je remercie au travers de ce vote l'Assemblée communautaire qui a œuvré, je dirais, à l'exécution de ce budget. Et j'ai une pensée pour ce soir Pierre-Louis, donc, qui a été le vice-président en charge des finances pour notre communauté de deux communes. Et je le remercie pour le travail qu'il a exécuté pour notre territoire. Merci Pierre pour cette première partie. Je propose maintenant de passer à la décision modificative numéro 1 au budget prévisionnel 2020. Pierre, je te rends la parole. Oui, donc j'en parlais tout à l'heure. Hein, suite à l'épidémie de Covid-19, la communauté de communes a décidé de participer au fonds de relance des entreprises de son territoire. Donc en fait, il s'agit, je fais un résumé rapide, hein, il s'agit de prêter en fait aux entreprises une avance. Alors, la communauté de communes s'engage à louer une avance remboursable de 150 000 euros, d'une part, et d'autre part, dans le cadre des fonds de relance locales L'O2CAL, créés par la région Occitanie, une autre avance de 147 000 euros, ce qui fait 287 000 euros. Et donc, en fait, cette décision modificative, on va donc mettre 280, parce que c'est une avance remboursable, donc on va mettre 287 000 euros en dépenses, mais aussi 287 000 euros en recettes, puisque les entreprises vont nous les restituer. Donc, le remboursement est échelonné sur 2 ans, avec un différé de 18 mois. Le montant des aides maximales sont de 8 000 euros pour les entreprises de 0 à 3 ETP et de 15 000 euros pour les entreprises à partir de 4 ETP. Le montant minimal de l'aide est de 2 000 euros. Ça concerne l'aide de la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup. Concernant la relance avec local de la région, donc c'est, là, ça pourrait être pareil. Donc l'avance est remboursable à taux zéro, sans garantie. Remboursement échelonné sur 2 ans après un différé de 18 mois. Et le maximum est de 10 000 euros pour les commerces et artisanats de proximité et les structures touristiques de 0 à 3 ETP. Et un maximum de 25 000 euros pour les commerces et artisanats de proximité, les porteurs publics et parapluies d'équipements touristiques et les entreprises touristiques de 4 ETP et plus. Voilà. Donc en fait, cette décision modificative, elle va mettre donc 287 000 euros en dépenses et 287 000 euros en recettes, puisque c'est une avance remboursable par les entreprises de notre territoire. Merci Pierre pour cette présentation. Est-ce que ça suscite des questionnements ? Pas de questions, donc je me mets au vote cette proposition de décision modificative au budget. Donc, une abstention. Le point suivant, c'est le dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises de petite taille ou moyenne
de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire. Et je redonne la parole à Pierre qui va vous expliquer ce dispositif. Donc, tout à l'heure, il s'agissait d'une avance remboursable. Là, par contre, on va encore plus loin. Hein, on va surtout toucher les entreprises, surtout touristiques. Donc, il s'agit de faire un dégrèvement de 2/3 de la CFE. C'est quand même 2/3, c'est important. Et ces 2/3 seront financés à 50% par l'État et par la communauté de communes. Et par la communauté de communes pour un montant maximum de 44 000 euros pris par l'État et 44 000 euros pris en charge par la communauté de communes du Grand Picsanou. Donc il s'agit d'un dégrèvement. Hein, donc chaque entreprise, surtout du secteur touristique, hein, se verra dégrévée de 2/3 de sa CFE. Et ces 2/3 sont pris à moitié par la communauté de communes et l'autre moitié par les services de l'État. Donc c'est très intéressant. Il s'agit donc de la cotisation foncière des entreprises, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le terme de CFE. Donc c'est quand même une aide précieuse. Hein. Je pense que là, Léon va toucher, je pense, quand même beaucoup de petites entreprises. C'est une aide quand même importante, particulièrement dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, la restauration, le sport, tout l'événementiel, qui sont aujourd'hui touchés très très fortement. Quand les bilans seront faits, je pense que on risque d'être étonnamment surpris de la hauteur du préjudice qui est le leur. Et une saison qui est quasiment aujourd'hui complètement ratée et avec les dernières mesures. Et la situation de l'évolution du Covid, on ne voit pas comment les choses pourraient s'améliorer. Donc il appartient aux collectivités locales et territoriales de les accompagner au mieux. C'est ce qu'on va faire. Puis on fera le bilan ensemble et on verra ce qu'il est bon de retenir. Dans tous les cas, cette aide à la CFE est importante et elle vous est proposée ce soir. Donc, ce dégrèvement vous est proposé à votre délibération. Est-ce que ça suscite des questionnements, interrogations? Donc, je le mets à votre vote. C'est pas des sommes énormes, c'est 80 000 euros sur le périmètre de la Comcom. C'est 59 pour et une voix contre. Alors, modification du tableau des effectifs. Il s'agit de créer, dans le cadre de notre politique jeunesse, de créer un poste donc pour organiser et coordonner les séjours de vacances à destination des enfants et des jeunes. La tranche d'âge, c'est de 6 à 17 ans. Ce sont des séjours qui sont très recherchés sur notre territoire et qui permettent d'accueillir plus de 300 jeunes à l'année. C'est pour ça que ce service aujourd'hui a besoin de recruter donc un nouvel agent de catégorie B qui devrait rapidement évoluer vers un poste de directeur de séjour et de référent animation. Donc on a vraiment besoin de ce poste pour poursuivre, on va dire, les actions vers la jeunesse et notamment l'encadrement et la réalisation des séjours. Avez-vous des questions ou des besoins d'information sur ce point? Non, je le soumets à votre vote. Cinquante-huit votes pour et 2 votes contre. Le point suivant concerne le versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie du Covid-19. Vous avez tous entendu parler de cette prime qui est encadrée par un décret
et qui prévoit donc la possibilité pour les établissements publics d'accorder une prime exceptionnelle pour certains personnels, tout simplement qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public dans le cadre évidemment de l'état d'urgence sanitaire, puisqu'on a dû bien évidemment solliciter quand même certains personnels, et vous l'avez vu, avec notamment le maintien du service de nettoiement des déchets, de l'eau, de l'assainissement. Et je remercie ici, je l'ai déjà fait, mais je remercie à nouveau l'ensemble de ces personnels et les services respectifs. Donc c'est une prime qui peut être octroyée aux agents stagiaires, titulaires, contractuels de droit public et de droit privé. Donc bien évidemment, on a ciblé les personnels concernés, forcément de par leur implication. Je ne vais pas vous en faire ici lecture, mais vous comprendrez bien que tout ça est géré de manière très consciencieuse. Le montant du plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. Elle est exonérée d'impôts et de contributions sociales. Et elle peut être cumulée avec d'autres éléments de rémunération. Donc, l'essentiel qui sont attribués à nos personnels, notamment sur la manière de servir, l'engagement professionnel et bien d'autres choses. Il est proposé donc de verser cette prime. Il faut savoir que elle correspond à 8 semaines de confinement. Donc c'est pas sur 2 ou 3 jours. 8 semaines, c'est long. Où les personnels se sont vus exposés au virus dans le cadre de leur fonction, et tout ça pour tout simplement garantir le service public. Donc je trouve cette prime tout à fait adaptée et méritée. Donc là, elle est ciblée déchets et services eau et assainissement. Avez-vous besoin d'informations complémentaires ? Non, alors je la soumets à votre vote. Une abstention. Fixation des indemnités mensuelles de fonction donc pour le président et les vice-présidents. Vous connaissez cette formule, vous l'avez certainement déjà délibérée dans vos conseils municipaux. Je rappelle que par délibération du 15 juillet 2020, le conseil communautaire a fixé à 14 le nombre de vice-présidents. Vous connaissez tous les textes qui ont référence ce principe. Les montants maximums de ces indemnités donc, sont des indemnités maximales des présidents des communautés de communes, donc dans la tranche de 20 000 à 49 999 habitants, donc qui correspond à l'indice brut terminal de 67,50%. Indemnité maximale des vice-présidents de la communauté de communes dans la même tranche de 20 000 à 49 999 habitants pour un taux de 24,73% de l'indice brut terminal de référence de la fonction publique. Voilà, donc je vous propose tout simplement d'appliquer tout simplement l'indemnité de fonction telle qu'elle a été imaginée et défendue d'ailleurs par bon nombre d'élus et de parlementaires pour redonner à cette fonction d'élu la possibilité à tous de pouvoir s'investir dans les collectivités locales et territoriales sans être pénalisé sur le plan professionnel, ce qui n'est pas toujours évident. Monsieur Capu. Une question de principe. Dans les communes, on ne soumet pas au vote l'application de l'indemnité maximale. Donc je voulais savoir, avoir confirmation qu'il n'en est pas de même dans les communautés de communes. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Non, non, la règle, c'est dans les communes, on ne soumet pas à l'approbation du conseil municipal l'application de l'indemnité maximale. Donc, si on l'applique ici, c'est qu'il y a une disposition particulière pour les EPCI. Non, donc, c'est ma question.
Il n'y a pas de disposition particulière pour les EPCI. Donc normalement, ce n'est pas soumis au vote. C'est de droit. D'accord. Merci Georges pour cette précision. Ouais. Après, la décision peut être prise de la baisser. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc je soumets à votre vote cette proposition. Quatre abstentions. Environnement, travaux d'agrandissement de la déchetterie de Saint-Gély-du-Fesque. J'ai bien envie de faire travailler le vice-président Laurent Senet sur ce programme. Oui. Alors, déjà, tout à l'heure, tu remerciais Pierre-Louis, qu'il me soit donné de pouvoir remercier Véronique Tempier pour son investissement dans tout ce qui a été l'environnement, la gestion des déchets et auprès des équipes et donc des déchetteries. Là, c'est vraiment la traduction sur le terrain de la volonté de notre territoire de pouvoir permettre aux gens de trier. Alors, trier, c'est dans les bacs jaunes, c'est dans le recyclage du verre, c'est dans les conteneurs pour les autres emballages. Mais c'est aussi avoir accès à des déchetteries qui soient fonctionnelles. Alors on le retrouve dans les quantités de déchets qui sont dans les poubelles qui vont vers le SMEB, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on est une des collectivités qui produisons le moins de déchets par habitant. Donc ça, on peut encore continuer, encore améliorer. C'est ce qu'on fait là. Donc là, c'est pour autoriser le président à lancer cette fois les appels d'offres. Donc la déchetterie de Saint-Gély. Et j'en profite pour remercier, enfin pour montrer que sur nos territoires, les communes sont impliquées dans la communauté de communes et l'inverse aussi, la réciproque, à savoir que le terrain est mis à disposition par la commune de Saint-Gély. On va multiplier la surface par 5 et le nombre de quais par 2,5, avec une marche en avant et donc beaucoup plus de possibilités d'accueillir de monde sur les temps d'ouverture. Voilà. J'en dirai pas plus. S'il y a des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc là, il s'agit de lancer le marché de travaux. Donc, pour ces travaux, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je mets au vote cette proposition. Voix pour convention d'utilisation de la déchetterie intercommunale du pays de Sommières pour 3 communes du Grand Pic-Saint-Loup, donc pour l'année 2020. Je redonne la parole au vice-président Laurent Senet. Oui, eh bien voilà, on est toujours dans la même chose, à savoir rendre sur l'ensemble du territoire, dont tout à l'heure tu soulignais qu'il était assez vaste, puisque on est sur un nombre de bassins versants incommensurable. Là, c'est pareil, c'est pour donc pouvoir utiliser les services les plus proches des gens afin d'éviter d'avoir des déchetteries sauvages. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc c'est une convention qu'on renouvelle puisqu'on a déjà l'habitude de... Elle concerne d'ailleurs les habitants de Busignard, de Saint-Hilaire-de-Beauvoir et de Saint-Jean-de-Corny, donc qui permettent l'accès aux déchetteries de la communauté de communes du Pays de Sommières. C'est quand même plus pratique pour eux d'aller sur cette déchetterie, ils sont plus près. Et aujourd'hui, par via de conventions, ça permet de faciliter, la vie du quotidien de ces administrés, d'aller sur une déchetterie plus proche. Voilà, avez-vous des questions sur ce point? Je vous propose de voter donc sur cette proposition.
Donc c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Développement économique, donc on va vous parler des cofinancements leaders qui viennent en appui donc, du développement économique du territoire avec des subventions, donc tout simplement pour accompagner des projets du territoire. Et notamment, il s'agit pour le premier projet d'une micro-brasserie artisanale au Causse de la Selle. Monsieur le vice-président Antoine Martinez va vous donner quelques éléments de ce dossier. Oui, merci, Président. Donc, tout simplement, c'est dans la suite logique de notre action en faveur du développement économique, puisque juste vous rappeler que ça fait la seconde année donc, que la communauté dédie une enveloppe financière donc, pour aider les entreprises, puisque s'il n'y a pas d'aide de la communauté, les entreprises ne peuvent pas prétendre au programme LEADER. Juste vous rappeler bon, que ce montant en 2020 était de 30 000 euros et que 1 euro octroyé par la communauté de communes, c'est 4 euros au programme LEADER. Vous voyez donc quand même le ratio qui est assez important. Donc pour cette première subvention, en fait c'est la brasserie donc, qui est Serran, donc pour un montant de 54 952,13 euros. Bien sûr, le comité technique déjà l'a programmé et donc au montage financier. Donc, je vous propose donc d'octroyer une subvention maximale de 4 396,17 € à cette SARL. Et donc, bien sûr, le montant de cette aide est inscrit au budget. Donc, vous avez, je ne vais pas vous reprendre les financeurs qui sont le programme LEADER et puis donc uniquement lui le programme LEADER là-dedans, donc puisqu'il n'y avait pas d'aide de la région. Voilà. Donc si vous avez des questions, si on peut vous répondre. Y a-t-il des questions sur ce point? Vous verrez que ce dispositif LEADER est quand même précieux et important en tous les cas pour venir accompagner des projets locaux, notamment. Ça va être une aide précieuse en tous les cas pour la création de cette micro-brasserie artisanale située au Causse de la Selle, monsieur le maire. Merci. Je vous en prie. Attendez, c'est pas voté. Hein. Je voulais vous signaler que, bon, avec nos faibles moyens, on a mis à disposition du terrain pour l'assainissement non collectif de cette petite entreprise. Lors de ma mise en guerre, je vous inviterai. Très aimable à toi. Très aimable, on va peut-être attendre, on espère tirer quelques chopes, je dirais. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition? Donc je vous propose de voter. Voix pour, donc bonne chance à ce projet et merci pour votre vote. J'ai un autre point donc un peu identique à vous proposer. Je vais rendre la parole au vice-président en charge du développement économique, Antoine Martinez, qui va vous le présenter. Oui, même chose. Là, c'est un autre projet qui est mon petit paquet, donc, qui est la fabrication de vente et location et lavage de couches lavables. Je tiens juste à vous rappeler qu'effectivement, vous avez vu dans le budget, il est beaucoup plus conséquent. Mais cette entreprise a fait part du prêt entreprise remarquable auprès d'Initiative Montpellier Pix & Loup, puisqu'elle a été accompagnée. Ça fait à peu près 2 semaines. Où il y a eu ici à la communauté de communes la remise d'un chèque de 24 000 euros par un prêt création et un prêt novateur. Voilà, donc je ne vais pas vous reprendre tous les montants, mais bon, en ce qui concerne la communauté de communes, donc c'est 8 000 euros. Là, vous voyez un fonds LEADER de 32 000 et vous voyez qu'il y a aussi la région Occitanie qui l'accompagne fortement avec 40 000 euros. Voilà, donc je vous propose d'octroyer cette subvention maximale à cette entreprise. Voilà, un beau projet pour porter les valeurs de développement durable, notamment.
qui n'est peut-être pas une grande révolution, je dirais technologique, hein, puisque bon, le lavage des couches, bon, certains d'entre nous ne l'ont pas connu, remarquez moi non plus. Mais pour autant, comme on dit, ça a eu été fait, donc c'est bien dans les vieilles marmites qu'on refait les meilleures soupes, et ça vient à la mode, et je pense que c'est une entreprise, en tous les cas, qui a un process qui nous a été présenté, oui, et qui va faire des rebonds, je pense, sur d'autres territoires, parce qu'il y a un vrai engagement au travers du développement durable sur, sur ces couches, les couches jetables. C'est je ne sais plus combien de tonnes de déchets par an. C'est considérable. Et donc, cette entreprise va, je pense, nous permettre d'atteindre nos objectifs, mon cher Laurent, de la diminution des déchets pour le territoire du Grand Picsaloux. Et c'est à cette occasion que nous avons validé ce projet et ses ambitions. J'en dis deux mots. Non, non, vraiment, c'est moi qui ai été l'heureux président d'une crèche, hein, à Saint-Martin-de-Londres, à laquelle on avait travaillé avec Philippe pour son agrandissement et qui s'est bien passé. C'est vraiment des choses qui sont, en termes même de gestion d'une crèche, très importantes, hein, parce qu'on est en milliers de couches par an sur une crèche, même pour une famille. Donc, on est en tonnes de déchets. Et là, en effet, on est sur quelque chose qui n'est pas si compliqué, hein. On enlève la matière fécale, elle va au WC, et on rend les couches sales dans un sac, on récupère des couches propres. C'est vraiment super bien fait, hein. Le système n'est pas rébarbatif, hein. C'est pas on lave tout seul ses couches et tout ça, hein. C'est ne croyez pas qu'on retourne au Moyen-Âge et oui non non c'est avec la lessiveuse. C'est ça, non, on est pour la paix des ménages et pas pour l'asservissement ni de l'un ni de l'autre, hein. J'ai eu 3 enfants, j'aurais jamais lavé les couches moi-même, mais par contre non mais si j'aurais pu le faire, mais je les aurais jamais je l'aurais pas imposé à celle qui partage ma vie et je pense pas qu'elle me l'aurait imposé non plus. Mais non, vraiment, c'est un projet que je suis vraiment très fier qu'on puisse soutenir. Et en effet, ça va dans ce que tu as dit, dans le sens de la réduction des déchets. Très bien. Merci pour ce petit point complémentaire d'information. Je voudrais juste faire un petit complément à ce qu'a dit Laurent, d'autant plus que c'est une entreprise qui va faire travailler des entreprises locales. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est tout un circuit qui est fort intéressant. Oui, alors, Madame non. Oui. Nathalie voudrait intervenir, je vais la laisser intervenir. Nathalie. Non, juste pour répondre à M. Capu avec un temps de latence, qu'on n'est pas des spécialistes des communes, je vous confirme qu'il y a une distinction entre les indemnités pour les communes par rapport aux intercos, c'est-à-dire que vous avez une obligation de faire 2 délibérations, une délibération fixant le montant des indemnités de fonction de base et une 2e délibération pour fixer les éventuelles majorations. Ce qui n'est pas le cas, Oh, pardon, excusez-moi, je reprends. Donc, il y a bien une distinction au niveau de la fixation des indemnités pour les élus au sein des communes par rapport aux intercommunalités. C'est-à-dire qu'au sein des communes, vous devez, lors de la même séance, proposer une délibération en fixant le montant des indemnités de fonction de base et une autre qui peut fixer les éventuelles majorations, donc bien 2. Tandis que pour les intercos, ça fonctionne différemment. Vous avez une enveloppe globale. Et éventuellement, on peut voter des majorations, mais c'est pour des communautés d'agglo qui font plus de 100 000 habitants. Donc, nous, c'est exclu. Donc, je vous confirme bien, il y a bien une distinction. C'est pour ça qu'on a prévu une seule délibération. Et nous ne sommes pas encore au seuil des 100 000. Donc, nous avons du temps devant nous. Voilà. Très bien. Donc, il s'agissait de délibérer, me semble-t-il, donc pour les aides concernant donc cette entreprise qui s'installe, me semble-t-il, à Saint-Martin-de-Londres, c'est ça, hein, qui sera installée à Saint-Martin-de-Londres. Mon petit paquet, donc, et je vous propose de voter le plan de financement qui vous est proposé, la contribution de l'intercommunalité. Françoise. Si
Si, ça y est. Alors, 59 voix pour et ne prend pas part au vote, une voix. Merci pour ce vote. Oui, Daniel. Oui, dans le prolongement de ces délibérations, j'avais une question sur les folles leaders. On avait complètement consommé l'intégralité de la somme qui était allouée. On nous avait dit que pour les projets qui restaient en cours, on attendait de voir ce qui se passait dans les collectivités voisines pour voir s'il y avait des fonds qui transitaient d'une vers l'autre, où on en est, où on en est aujourd'hui. Et est-ce qu'on pense avoir des rallonges ou pas? Alors, on n'a pas tout purgé, il restait encore des petites poches. D'ailleurs, il y a eu un appel à projets, notamment sur des projets en lien avec le tourisme, hein, qui n'ont pas encore été complètement exploités. Donc il y a encore une poche, là, particulièrement sur ça. Puis après, il faudra attendre forcément lorsqu'on aura épuisé. On espère qu'on aura un deuxième volet, une deuxième mouture donc sur les fonds européens pour pouvoir avoir d'autres aides. Donc les projets qui sont en attente, ils sont en attente jusqu'à fin d'année à peu près. Oui, bah là on va reprendre les travaux là sur Leader, hein. Oui. Dans tous les cas, on clôture en 2021 et après on partira sur un autre exercice avec d'ailleurs un périmètre qui potentiellement peut bouger. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement nous dire que notre GAL, il faudra le mener à l'échelle d'un PETR, quoi, du moins d'une association par exemple, hein, parce que c'est cette logique justement. C'est toujours la région qui est la correspondante pour distribuer après les fonds européens à l'échelle donc plus locale, voilà, d'un périmètre de projet. Il est quand même à préciser que globalement, quand même, on a bien utilisé les crédits européens. Malheureusement, comme vous le savez, le bilan national des fonds européens n'est pas bon. Et on n'utilise malheureusement pas suffisamment les fonds européens. Ce n'est pas notre cas, je vous assure. Que nous, on tire vraiment au maximum, je dirais, sur ces fonds. Ça fonctionne très bien. Le GAL a très, très bien fonctionné. Tout simplement parce que aussi, on a mis les moyens. On avait recruté aussi du personnel, des gens compétents. Et puis que le relais a été bien fait sur le territoire. Tout le monde a été aujourd'hui bien informé sur l'existence de ces aides européennes. Et elles sont vraiment descendues au plus profond des territoires. Et ça, les gens ne l'ont pas imaginé au départ. Et finalement, c'est une réalité. Donc, on a eu des aides précieuses sur nos communes, pour nos projets communaux, mais aussi pour des toutes petites entreprises, comme vous l'avez vu, qui sont en naissance. Et grâce à ces aides européennes, peuvent demain espérer se développer. Donc, c'est plutôt encourageant. Et en tous les cas, dans la prochaine session, on sera bien évidemment attentifs et candidats pour continuer à dynamiser le territoire avec les fonds européens. Alors là, j'en étais où? Je suis donc attribution de subventions, monsieur le vice-président, pour les dispositifs d'urgence au Covid-19, toujours des aides, mais qui sont cette fois-ci coordonnées donc, entre le territoire du Grand Pic-Saint-Loup et la région Occitanie. Antoine. Oui, là, je vous juste vous préciser que on n'est pas dans le plan de relance. Là. En fait, on était dans le soutien aux entreprises, puisque c'est après qu'on est passé au plan de relance. Et là, ce sont des subventions et non pas des avances remboursables. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la liste dans vos communes, puisque la région nous envoie une liste, puisqu'on pouvait y participer au mois de mars, avril et mai. Donc, il y a eu énormément de demandes qui ont été faites à la région, puisque c'est la région qui gère. Nous, on est là uniquement en appui. Et je dirais que si la région, effectivement, aide, ben, nous, on aide. Et on est, je dirais, la seule communauté à doubler le fonds, c'est-à-dire les montants que la région accorde. Donc, je ne vais pas vous rappeler le petit tableau, hein, c'est de 0 salarié, 1000. Donc, on n'a pas encore terminé ce plan, puisque je pense qu'à la rentrée, on en aura peut-être encore. En tous les cas, on est, si mes souvenirs sont bons, on avait attribué un montant de 250 000 euros, et on en est à l'heure actuelle à 185, hein, Thomas, si c'est ça. C'est ça, à 185, donc il va encore nous en arriver d'autres. Donc les entreprises ont été, je vous dirais, assez surprises
de l'aide qu'on a fait, puisque notre rôle à nous, c'était quand on avait le plan, effectivement, enfin, le tableau des aides octroyées par la région, c'est de communiquer auprès de nos entreprises. Souvent, même les experts comptables nous ont appelés pour savoir si c'était vrai ou pas. Donc, vous voyez que c'est une aide qui n'est pas négligeable. Et je vous rappelle encore, c'est une subvention. On n'a pas à rembourser. Donc, je suis heureux, enfin, en tous les cas, que la communauté ait pris cette décision parce que ça a aidé un grand nombre d'entreprises en difficulté. Mais ce n'est pas encore un plan de relance. C'était une aide en subvention. Voilà, donc il nous est aujourd'hui donc de demander d'attribuer les subventions au tableau que vous avez eu en annexe, je ne vais pas tout vous le reprendre, donc pour aider ces entreprises. Si vous avez des questions. Est-ce que tu as le montant cumulé peut-être de ces aides-là avec toi ou pas ? Non, ce que je disais, c'est qu'on est arrivé à 185 000 euros à peu près à l'heure actuelle sur 250. Voilà. Donc c'est quand même une aide importante quand même à la direction, sachant que vous l'avez vu là, on s'attache vraiment aux petites entreprises, hein, petites, moyennes entreprises, hein, et c'est quand même une aide qui leur sera, je l'espère, précieuse. Et donc on verse la même somme que ce que la région Occitanie accorde. Donc c'est, je pense, un geste fort de notre territoire et vous avez reçu la liste des entreprises qui sont destinataires. Donc, faites-le savoir, parce que c'est quand même pas partout comme ça. Avez-vous des questions sur ce dispositif ? Pas de questions, je le mets à votre vote. Voix pour, une contre et une abstention sur cette proposition. Point suivant, aménagement du territoire avec l'avis sur le projet d'arrêt du PLU de la commune de Saint-Martin de Londres. Monsieur le maire n'est pas présent ce soir. Hussam, tu vas peut-être te charger d'en faire la synthèse. Sachant que nous avons systématiquement donc un avis à donner sur tous les PLU modifiés ou révisés ici donc à la communauté. Donc, si tu veux bien, Hussam, en tant que président de la commission aménagement du territoire. Oui, effectivement, je vais essayer en 3 minutes de vous résumer un travail de 3 ans. C'est un cas d'école, la PLU de Saint-Martin-de-Londres. Effectivement, c'est un plein développement démographique, économique, et ils ont vraiment travaillé sur leur PLU avec des contraintes de services de l'État qu'ils ont été obligés de reprendre à plusieurs reprises leurs documents. Et la communauté de communes, on les a accompagnés dans le cadre de SCOT pour qu'ils puissent élaborer leur PLU. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un PLU qui correspond tout à fait aux besoins, aux exigences de la commune et en phase avec le SCOT. Donc, on l'a reçu effectivement, comme le président l'a dit, en tant que personne publique associée, nous sommes dans l'obligation de donner un avis concernant le PLU. Donc, c'est une commune qui est sous gestion de RNU, comme 13 communes encore dans l'autre comité de communes, 13 communes qui sont en élaboration de leur PLU. Donc, un RNU, ça a aussi de contraintes, comme vous le savez. Et pour certaines communes, c'est très difficile aujourd'hui, la gestion d'un RNU, car l'avis de préfet n'est pas forcément en phase avec l'avis de la commune. Donc, et on espère que beaucoup de communes vont terminer leur PLU dans les prochains mois. Donc, le PLU de Saint-Martin de Londres, il est important car le PADD décline 6 principaux objectifs. Une polarité urbaine,
du territoire Pixelloup, il faut recentrer le développement urbain, une offre en logement diversifié, un développement économique consolidé autour de la zone de la Lequière, une fonction commerciale et de services renforcée et renforcer l'accès au réseau de transport collectif. Et surtout aussi, le taux de croissance. Le taux de croissance, c'est une commune qui était en plein développement. Ils ont été obligés de baisser jusqu'à 2% hein, de leur taux de croissance pour que ce soit en phase avec le SCOT et les contraintes aussi de services de l'État. Le 2%, ça correspond aussi à 900 nouveaux habitants jusqu'à l'horizon 2030, ce qui correspond à peu près à 560 logements, qui est tout à fait compatible avec le SCOT. Nous l'avons travaillé ensemble pour qu'il puisse effectivement... Croyez-moi, ça n'a pas été aussi facile que ça pour baisser effectivement le taux de croissance à 2. Et comme vous le savez, que le SCOT impose 1,5%. Nous avons en moyenne de... Donc, certaines communes, elles ont été... on a donné la possibilité d'arriver jusqu'à 2% de taux de croissance. Et en termes de production de logements sociaux, c'est vraiment un PLU très ambitieux parce qu'ils ont, ils prévoient 28% de sa production future, alors que le SCOT prescrit un taux minimal de 10%. Hein. Comme vous le savez maintenant, dans chaque projet d'urbanisation, il y a des logements sociaux imposés par le service de l'État. Et Saint-Martin, il prévoit aujourd'hui pratiquement à 26 à 28% de logements sociaux. Donc, devant tous ces... Effectivement, ces, le renouvellement urbain également, le renouvellement urbain, il est très important avec une densité. Comme vous le savez, aujourd'hui, ça bouleverse notre vision sur l'urbanisation. Le renouvellement, la densification des dents creuses qui nous amène et nous oblige à densifier avec le renouvellement urbain. Et la commune de Saint-Martin-de-Londres, ils sont à jusqu'à 50 logements à l'hectare dans certaines zones de renouvellement urbain. Donc, c'est très important, effectivement, et ça leur permet d'avoir... devant toutes ces... ces contraintes qu'ils ont eues, je pense qu'on peut effectivement aujourd'hui donner un avis favorable pour le PLU de Saint-Martin-de-Londres. Et il y a quelques observations qu'il faut quand même maintenir pour nous. Un des aspects les plus importants aujourd'hui, et on l'a signalé dans nos remarques, c'est au niveau de chaque projet d'urbanisation, il y a l'obligation d'effectivement d'insister sur la qualité de l'environnement, les espaces publics, le piste cyclable, le déplacement doux. C'est, chaque fois qu'il y a un projet d'urbanisation qui dépasse un hectare, vous êtes maintenant dans l'obligation de penser à cet aspect. Et donc là aussi, je pense qu'on va, c'est une des remarques qu'on va mettre sur le PLU de Saint-Martin. Voilà. Alors je vous propose de donner un avis favorable pour le PLU de Saint-Martin-de-Londres. Merci, Hussam. Pas forcément en effet facile de résumer ce long travail accompli et les allers-retours et je sais les efforts et aussi je dirais les coups de colère qui ont été portés par le maire sortant qui était souvent râleur, j'ai envie de dire, auprès des services de l'État pour pas dire autre chose sur les contraintes qu'ont été les siennes pour arriver à trouver ce compromis qui n'est pas forcément évident sur une commune qui est classée bourg-centre, mon cher Jérôme, qui va faire partie de ce dispositif d'analyse particulier sur lequel il y a cette résonance, pas seulement de la ville-centre, mais des pressions qui sont également exercées par les communes qui sont autour.
Et c'est vrai qu'il y a un enjeu particulier aujourd'hui à engager un plan local d'urbanisme dans une commune comme celle de Saint-Martin, comme celle de Saint-Mathieu, Saint-Gély ou les autres. Donc, je vous propose en effet qu'on accompagne le travail accompli par les élus, les efforts qui ont été réalisés. Ce PLMU est conforme, on va dire, en tous les cas, à notre SCOT, ce qui est essentiel. Et puis, les remarques, nous les avons entendues. USAM, on les accompagne de nos voeux. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de suivre l'avis de la commission et de donner un avis favorable donc au PLU de la commune de Saint-Martin-de-Londres. Est-ce qu'il y a des observations, des interventions? C'est possible. Non. Alors, je vous propose de voter. Alors, 56 voix pour, une contre, 2 abstentions. Le point suivant, c'est la piscine intercommunale du Pic Saint-Loup avec tout simplement l'approbation de la grille tarifaire. Je vais laisser Michel Lernoux vous en donner les éléments, avec les éléments notamment tarification et d'augmentation. Michel ? Oui, j'espère que vous n'êtes pas trop noyé avec toutes les informations que vous avez eues aujourd'hui, parce que je vais vous donner... Vous allez nager maintenant. Alors, nager à la piscine intercommunale du Pic Saint-Loup. Nous avons une convention de délégation de services publics avec la société Vert Marine. Et dans cette convention, il est prévu d'indexer les tarifs. Donc, je vous propose les tarifs d'accès, hein, les tarifs d'accès à la piscine. Donc, je vous propose les deux tarifs qui seront applicables à la rentrée, hein, dès le 1er septembre. Bien évidemment, ces tarifs ont été vérifiés par les services pour voir si le coefficient de révision avait été bien appliqué, en augmentation de 1,2% par rapport aux tarifs initiaux. Voilà, et ceci, c'est dans le cadre de la DSP que nous avons avec Vert Marine. Donc, je vous demande d'adopter les tarifs que vous avez, de toute façon, vus, qui ont été joints à ce document. Merci, merci Michel. Est-ce que ça suscite des questionnements, sachant que la reprise d'activité de la piscine, vous l'avez observé, est du moins plutôt au ralenti, regarde des conditions d'accueil aujourd'hui. Mais ils inscrivent quand même. Et ils inscrivent quand même, mais c'est ils bon inscrivent signe. Quand même. Espérons que ça dure. Ouais. Je vous propose, si vous n'avez pas d'observation, de voter sur cette proposition. C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, culture et patrimoine, il s'agit tout simplement là aussi de parler de tarification du prix d'entrée donc pour les musées, notamment sur la période du 26 juin au 29 novembre 2020. Je laisse la parole à la vice-présidente Martine Durand-Rambier. Oui, effectivement. On vous propose, à titre un peu exceptionnel et à la suite de cette période, de cette crise sanitaire qui a eu des conséquences pour tout, et notamment au niveau de la culture, on vous propose que cette année, pour l'ouverture des musées, il y ait un tarif unique qui soit le tarif à titre réduit. C'est-à-dire que normalement, on a un tarif normal et un tarif réduit. Et nous vous proposons donc pour cette année, il y ait uniquement un tarif réduit qui serait pour l'entrée dans les musées, pour la Halle du Verre, de 4 euros et qui serait pour la Maison des Consuls à 3 euros. Il vous est donc demandé de voter ces tarifs. Et un rappel de la gratuité pour les moins de 16 ans. Tout à fait. Qui est déjà applicable en temps habituel et qu'il est bon de rappeler. Est-ce que ça suscite des questions? Non, je mets au vote cette proposition.
Donc c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Sport et activités de pleine nature, une demande de subvention d'équipements sportifs auprès de l'Agence nationale du sport, notamment pour la construction du gymnase pour le lycée Jean Jaurès. Michel, si tu veux bien nous en donner. Oui, comme vous le savez, le lycée Jean Jaurès n'a pas de gymnase. Donc il était temps que finalement la communauté de communes saisisse ce projet. Et c'est Jean-Louis Rodier, donc vice-président précédent, qui l'a porté. Donc, il s'agit de demander une subvention auprès de l'Agence nationale du sport, en sachant que les créneaux qui ne seront pas utilisés sur le temps scolaire pourront être mutualisés pour d'autres communes. D'autres communes pourront utiliser les créneaux dans cette nouvelle salle des sports. Voilà. Merci, Michel. Le coût total du projet étant de 1 840 000 euros. Hors taxe. Hors taxe. Donc, des demandes de subventions sont aussi déposées auprès du Conseil départemental de l'Hérault, le Conseil régional qui a déjà répondu, mais il y a également des fonds leaders qui sont attendus. Et puis, donc, cette nouvelle demande d'aide donc, qui est formalisée auprès de l'Agence nationale du sport. D'ailleurs, si me semble-t-il, les travaux sont en démarrage. C'est bien ça. Hein ? Voilà. Avez-vous des questions sur ce point ? Cette demande de subvention, généralement, on ne les refuse pas. Je le soumets à votre vote. Le vote est terminé. Je vous remercie. Point suivant, une demande d'aide au Conseil départemental de l'Hérault pour l'aménagement du parking du site d'escalade des Puèches des Mourgues à Saint-Bosile-de-Montmel. Je redonne la parole à la vice-présidente Michèle Lernoux. Donc, dans le cadre du développement des activités de pleine nature, nous devons entreprendre l'aménagement du parking de ce site d'escalade qui est situé donc, du Puèches des Mourgues sur la commune de Saint-Bosile, tout simplement parce que l'espace commence à s'éroder. Le montant estimé des travaux s'élève à 9 959,96 euros hors taxes. Et une demande de financement peut-être demandée au département qui peut éventuellement s'élever à une hauteur de 70%. Donc je vous demande d'autoriser le président à solliciter cette aide. Des questions ? Pas de questions ? Je mets le vote, cette proposition. C'est voté à l'unanimité, merci. On poursuit, Michel, avec l'attribution d'une subvention à l'association Diane du Grand Otas. Oui, une enveloppe non affectée de 2 000 euros avait été votée au budget au BP 2020 pour les associations sportives. Et donc, le Conseil de communauté vous propose d'attribuer dans cette enveloppe une subvention de 500 euros à l'association Diane du Grand Otas pour un brevet de chasse sur sanglier en terrain libre qui aura lieu du 6 au 8 mars 2020. Vous avez des questions ? Des questions ? Sur la chasse ? Ça va chasser dans les boîtiers. Pas de questions, je mets au vote cette proposition. René.
49 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions. Bon. La chasse divise toujours un la peu. La chasse divise. Elle est néanmoins nécessaire. Hein, mais c'est une belle manifestation. Je vous invite à y venir pour la, oui, la comprendre. Je vous remercie de votre vote. Alors, la ressource en eau, c'est le lancement d'une consultation pour un contrat de prestation de service pour l'entretien assistant technique d'épanage, surveillance des ouvrages d'assainissement pour 3 communes en régie. Donc, ce sont des contrats qui ont été avenantés par la communauté de communes afin d'en prolonger tout simplement l'échéance. Ça concerne les communes de Combaillot, Sainte-Croix de Quintillarguet, Terran, qui sont concernées donc par cette situation. Un budget prévisionnel du contrat qui est fixé à 35 000 euros hors taxes. C'est un contrat d'un an. Il est proposé tout simplement ce soir de lancer donc la consultation selon la procédure adaptée, conformément au code de la commande de public. Voilà pour les explications. Est-ce que vous avez besoin d'éléments complémentaires? Je pense que ça doit vous suffire. Je vous propose de voter. C'est voté à l'unanimité, merci. Lancement d'une consultation pour les travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de la commune du Mas de Londres, qui attend avec impatience ces travaux. Donc, ce sont des travaux qui sont prévus en 2 phases, avec une première tranche pour 400 équivalents habitants, puis une seconde qui sera pour 600 équivalents habitants. Donc, c'est sous l'impulsion du SATES, de l'Hérault, hein, qui nous accompagne sur ce projet. Et ça consiste à la modification de la première lagune existante et puis la construction de lits supplémentaires plantés de roseaux. Le développement du village est évident. Donc, il faut mettre à niveau la station d'épuration, sachant qu'aujourd'hui, me semble-t-il, l'urbanisation de la commune est bloquée. De par cette situation de la station d'épuration qui aujourd'hui ne peut permettre d'autres branchements. Donc il est grand temps de lancer ce projet, monsieur le maire, avec donc pour l'instant la maîtrise d'œuvre donc établie pour les projets de réalisation qui s'est évaluée à 80 000 euros hors taxes. Donc il s'agit de m'autoriser aujourd'hui à lancer la consultation pour un marché public de travaux en vue de réaliser cette opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions, je soumets à votre vote. C'est voté à l'unanimité, monsieur le maire. Vous pouvez être rassuré sur ce point qui, je le sais, est un gros point de préoccupation. Modification du montant prévisionnel des travaux sur la demande de subvention des travaux de création de collecte du réseau de collecte de la station d'épuration du hameau du Frouzé sur la commune de Saint-Martin. Donc, ce sont des travaux qui sont estimés à 259 282 euros hors taxes. Vous le verrez, tous les travaux qui concernent l'assainissement, que ce soit des réseaux, que ce soit des ouvrages, sont de suite des sommes importantes et vous comprendrez mieux le niveau des budgets que nous avons proposé tout à l'heure. Donc, il s'agit tout simplement de porter à la connaissance du département de l'Hérault et de l'agence de l'eau une modification des montants prévisionnels de travaux qui ont été revus à la baisse ou à la hausse? À la baisse. Ah, c'est bon signe, ça. Hein, Grégory, c'est pas tous les jours.
Oui, ça change. Voilà, donc ça concerne en effet la création du réseau de collecte de la station d'épuration des eaux usées du hameau du Frouzé, donc qui est sur le hameau qui est à la sortie de Saint-Martin-de-Londres en direction de la Buège, pour ceux qui ne situent pas. Voilà, donc je vous propose de voter donc, pour m'autoriser donc, à porter à la connaissance ces projets. Pierre, ça n'a pas marché. C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Le dernier point, c'est le dernier point justement dont je vous ai dit qu'il y avait des modifications par rapport à ce que vous avez sur votre note de synthèse, donc vous pouvez déjà l'oublier. Je vais tenter de vous en expliquer un petit peu le contenu et les raisons. C'est un point tout simplement qui a été modifié après consultation de la DGCL et les derniers échanges aussi avec la DGFIP qui a été évidemment dans la manœuvre et qui aujourd'hui conclut tout simplement à ne pas nous permettre de modifier les taux comme nous l'avions prévu. Tout simplement parce que la date limite de transmission des délibérations donc relative aux taux et les produits de fiscalité directe locale était jusqu'à la date a été donc jusqu'à la date du 3 juillet 2020 et non au 31 juillet comme il avait été initialement voilà, donc on avait un courrier de monsieur le ministre qui nous donnait jusqu'au 31 juillet pour le faire et donc monsieur le ministre il s'est peut-être trompé, il a mis un 1 derrière le 3, mais la date c'est le 3 juillet, donc on ne peut plus tout simplement délibérer aujourd'hui pour la modification. Donc c'est pour ça qu'on a, je dirais, retiré ces points. Ce qui signifie que nous allons rester donc, sur les taux actuels, en tous les cas pour l'année 2020, et que la question sera à nouveau posée sur le prochain budget. Vous dire quand même qu'on pressent sur ce budget, de toute façon, une augmentation des taux, ça sera certain sur le prochain exercice. Notamment parce que nous avons et nous perdrons des recettes du département du Gard qui se désengage, je dirais, à l'accompagnement sur la GEMAPI. On peut d'ailleurs à cette occasion remercier le département de l'Hérault, et je le fais volontiers devant vous, et son président Kléber Mesquida pour son accompagnement, puisque eux continueront de nous accompagner et de nous financer, ce qui est partie importante, ce que le département donne. On n'a pas à aller le chercher dans la fiscalité. Et puis, il faut savoir que la fiscalité sera bien évidemment aussi adaptée, notamment aux travaux qui sont importants et qui sont à réaliser dans le cadre de la GEMAPI et que nous aurons à développer. Donc, pour l'instant, nous étions donc à un budget annuel de 140 000 euros qui correspond à peu près à 3 euros par habitant. Le prochain, certainement, budget vous sera proposé à hauteur de 6 euros. Sachant que si vous en avez encore mémoire, pour ceux qui connaissent ce sujet, le montant maximum qui est prévu par les textes est 40 euros par habitant. Vous voyez qu'on est quand même très 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 loin, je dirais, de ce chiffre. Mais pour autant, il faudra faire évoluer donc ce montant des 140 000 euros, donc qui sera probablement doublé, je dirais, pour le prochain budget, pour pouvoir engager cette phase de travaux qui est nécessaire à notre territoire. Donc pour aujourd'hui, c'est qu'une bonne nouvelle que j'ai à vous transmettre. Donc on ne touche à rien. Bon, je n'ai pas besoin de faire délibérer là, si ou quoi ? Si tout de même. Alors on va délibérer sur cette proposition de ne rien changer. À vos boîtiers. Il vaut mieux une délibération de trop qu'une de moins. Et vous êtes pour à 100%. Et je vous en remercie. Avant de conclure, permettez-moi d'apporter une petite rectification concernant les membres de la commission du Clé du Sage, Lesse, Mosson et les étangs Palavoisiens.
avec une correction, ce ne sera pas Madame Boé qui siégera à cette commission, mais Monsieur Rejeff. Voilà, si vous voulez bien en prendre note, ils sont toutes les deux de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Voilà, alors je vous propose de revoter sur cette modification pour que les choses soient claires. À vos boîtiers, s'il vous plaît. C'est les mêmes communes, hein, c'est un changement de nom. Un dernier petit effort. Et c'est voté à l'unanimité. Il me reste à vous remercier. Vous remercier de votre patience, de votre écoute. C'était un conseil particulièrement long, difficile. Je m'en excuse auprès de vous. Mais je pense qu'on a bien travaillé ce soir. Je vous remercie et je vous invite à partager le verre de l'amitié pour ceux qui le peuvent.